Écoutez, merci. Merci d'accueillir le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Hein, là, asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez place quand même. Vous allez être plus confortablement installé. Monsieur le Premier ministre, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, chers amis, il y a plus d'un an, ensemble, dans cet hémicycle, nous votions pour une ambition que traduisaient d'ailleurs nos orientations stratégiques. Une année s'est passée, conforme à ces orientations, une année marquée par l'implication forte des présidents de section et de délégation, des rapporteurs, des groupes, des conseillers pour rassembler et traduire ce que la société civile exprime dans sa diversité. Au total, plus de 15 avis ont été rendus, dont 7 l'ont été à la suite de saisines gouvernementales. Des avis construits sur le débat, l'échange, la confrontation, avec pour objectif à chaque fois la construction d'un socle jugé acceptable par le plus grand nombre. De nombreuses préconisations en furent issues. De notre travail à celui du législateur, de nos avis au débat politique, je crois pouvoir dire qu'il n'y a qu'un pas. Un pas dont j'aimerais qu'il se transforme en une prise en compte plus régulière encore de notre institution, afin qu'elle puisse continuer d'alimenter les politiques publiques et en faciliter les mises en œuvre. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan de cette première année d'exercice. Et à bien des égards, et dans toutes les acceptions du terme, le temps de la reconnaissance. À commencer par celle que nous éprouvons à votre endroit, Monsieur le Premier ministre, qui pour la première fois venait devant nous. Donner acte des suites apportées par le gouvernement aux avis et préconisations de notre Assemblée. Ce que nous prenons aussi comme une forme de reconnaissance, c'est ainsi que nous interprétons votre venue, un signe fort pour la société civile et les corps intermédiaires. Nous vous en remercions. Cette restitution officielle vient clôturer une année de travail de la société civile. Année marquée par un bel ensemble de préconisations dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux auxquels vous donnez écho aujourd'hui. Je ne vais pas reprendre les 15 avis que nous avons produits, mais simplement et rapidement revenir sur quelques-uns qui ont peut-être davantage marqué le débat politique, soit parce qu'ils ont été largement repris, soit parce qu'ils ont permis d'établir un diagnostic, et d'autres, enfin, parce qu'ils se sont construits dans un contexte de tension particulier. Les préconisations de nos avis sur l'égalité réelle en Outre-mer, sur la loi Montagne, ont permis d'enrichir significativement les projets de loi qui ont suivi. Mais c'est incontestablement notre avis sur la culture du dialogue social qui illustre le plus concrètement l'utilité qu'il y a à consulter et construire avec les corps intermédiaires. 9 préconisations présentées par notre Assemblée ont en effet été reprises dans le projet de loi. 9 préconisations issues d'un avis qui, je veux ici le rappeler, n'avait fait l'objet d'aucun amendement. Preuve, s'il en est besoin, de l'efficacité du travail préalable de notre Conseil et de sa capacité à faire naître les consensus entre les différents acteurs de la société, même dans un contexte social délicat comme ce fut le cas. Les impacts des mécanismes d'évitement fiscal sur la cohésion sociale et le consentement à l'impôt, ainsi que la construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux, sont 2 autres avis qui se sont inscrits dans l'actualité récente. Sur le deuxième de ces avis, le travail du CESE a servi à construire la position française, position dont la Commission européenne a pu prendre connaissance au début de cette année. Je veux également citer le rapport annuel sur l'état de la France que nous avons remis au Premier ministre et aux ministres concernés lors d'une séance de travail extrêmement constructive. Il y avait notamment été évoqué l'urgence d'une politique publique d'envergure pour lutter contre le décrochage scolaire et la nécessité de reconstruire une communauté de destin en intensifiant l'effort de recherche et en orientant mieux les stratégies d'investissement. Monsieur le Premier ministre, nous avions en 2016 un défi à relever, celui d'inscrire davantage le CESE, 3e Assemblée de la République, dans le paysage politique. Nous le devions aux Françaises et aux Français que nous représentons ici, et nous le devions à la démocratie. Je crois que nous y sommes parvenus. Notre Assemblée a ainsi confirmé son rôle auprès de l'exécutif tout en réaffirmant son intégration et son rôle de pivot
dans l'élaboration comme dans le contrôle de la politique publique. Si nous avons pu retrouver cette place, je veux croire immodestement que c'est dû à la qualité de notre travail. Mais c'est également parce que vous avez eu la volonté de consulter la société civile organisée sur des enjeux importants. Vous avez eu la préoccupation permanente d'écouter, de prendre le pouls de la société française. Vous avez su comprendre et mesurer l'impact de la réflexion collective de plus de 60 organisations qui elles-mêmes représentent des millions de Français. Vous nous avez saisis à cette reprise. Nous avons toujours veillé à vous répondre dans les délais impartis. Mais au-delà des saisines gouvernementales, vous avez aussi su entendre la société civile lorsqu'elle exprimait des attentes ou préconisait des mesures qui vous ont semblé suffisamment importantes et fortes pour que vous envisagiez de les reprendre. Je m'en réjouis, car je le répète, le recours au Conseil économique, social, environnemental ne doit plus être une possibilité, mais une démarche systématique dans les domaines de compétences qui sont les nôtres. Notre méthode est basée sur le dialogue et la recherche du consensus. Nous avons en nous le potentiel pour prévenir les tensions, puisque nous mesurons avec précision et en permanence, pour tel projet, telle proposition, telle ambition, les conditions de son acceptabilité sociale. Plus que jamais, la parole du CESE est donc nécessaire. Je sais ne pas avoir, Monsieur le Premier ministre, à vous en convaincre. Notre Assemblée se doit maintenant d'aller plus loin. Les idées ne manquent pas, comme celle d'organiser chaque année, par exemple, dans l'enceinte du Conseil, une conférence de la société civile organisée. Ce pourrait être, à mon sens, un précieux moment d'échange sur les grands sujets qui concernent ou traversent notre société. Y participeraient les numéros 1 des organisations, les représentants des associations, les acteurs de l'économie au sens le plus large et les représentants des pouvoirs publics et du gouvernement. Chacun pourrait, je le pense, en tirer bénéfice et l'intérêt général y trouverait son compte. Aller plus loin, c'est également répondre au désir d'expression des citoyens de notre pays. Nous ne pouvons pas ignorer les demandes toujours plus grandes des Français d'être entendus en dehors de toute organisation, de toute représentation particulière. Nous devons relayer leurs préoccupations et, le cas échéant, nous en saisir. La pétition citoyenne est un dossier que nous avons mis à l'étude. Je suis, à titre personnel, convaincu du rôle que devra jouer le CESE en la matière. Aucune institution ne prend en charge les pétitions dans notre pays. Selon des modalités qui restent bien sûr à définir, nous devons être demain, je le crois, cette institution. C'est une ambition qu'il m'a été donné de faire partager au président de la République ainsi qu'au président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette ambition qu'a le CESE de capter l'expression des citoyens de la société civile organisée, d'en vérifier la portée, puis de s'en faire l'analyse, l'interprète et pourquoi pas le porte-parole. Cette ambition, je souhaitais aujourd'hui la partager avec vous. Car le CESE est un élément clé de la démocratie, cette démocratie que nous aurions tort de penser qu'elle est inébranlable. Dans le monde, elle vacille, au contraire, menacée par les peurs et les individualismes. Sachons la défendre en sachant d'abord écouter ceux que nous avons pour devoir de représenter et de guider. Ce monde, précisément, le CESE n'y est pas indifférent. Vous avez pu mesurer notre implication en Europe à travers l'avis sur le socle des droits sociaux notamment, je l'évoquais tout à l'heure, mais au-delà des frontières européennes, nous existons même modestement en tant qu'institution. Nous multiplions les contacts avec des pays tels que le Vietnam, la Chine, la Birmanie et nombre de pays d'Afrique. Ils sont de manière générale très curieux du fonctionnement de nos institutions et fort intéressés par l'existence de cette troisième assemblée qui donne une place aux citoyens dans la construction législative. Des pays qui ont connu des dictatures comme le Chili ou plus récemment la guerre comme l'Afghanistan se rapprochent ainsi du CESE français pour lui demander un appui dans la création d'institutions analogues, facteurs de paix et de démocratie à leurs yeux. C'est aussi une manière de faire partager nos valeurs, la culture et la langue française, et je crois savoir qu'elles vous sont chères. Comme j'ai cru comprendre la volonté de votre gouvernement de promouvoir une politique nationale de la langue française au service de la cohésion sociale et du rayonnement culturel de notre pays. La société civile doit bien évidemment
s'inscrire dans cette réflexion. Sachez, mais vous l'avez compris, s'agissant d'une telle cause, que nous sommes bien sûr disponibles. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les conseillers, je voudrais tout d'abord vous remercier, cher Patrick Bernasconi, de m'avoir invité à prendre la parole ici, devant la 3e Assemblée de la République, un mois juste après que le Président de la République est venu s'exprimer devant vous. J'ai tenu ainsi à marquer l'attachement et l'estime que le gouvernement porte à votre institution. J'ai bien d'autres éléments tangibles qui témoignent de l'importance que les autorités de l'État accordent à ce dialogue avec les représentants du monde du travail et de la société civile. Depuis le début de votre mandat, vous l'avez rappelé avec beaucoup de précision à l'instant, il y a un peu plus d'un an, le gouvernement vous a saisi à de nombreuses reprises, comme vous venez de le rappeler, cette fois en 2016, et déjà deux fois depuis le début de cette année. J'ai demandé au secrétaire général du gouvernement d'élaborer précisément les suites que nous entendons réserver à ces recommandations. Et j'ai pu vous remettre, il y a quelques jours, ce document qui montre que nous avons su prendre appui sur vos travaux pour faire évoluer notre arsenal législatif et engager les réformes dont le pays a besoin. Je pense notamment aux avant-projets de loi dont votre Assemblée a été saisie. Vous avez ainsi rendu un avis relatif à l'avant-projet de loi sur les territoires de montagne, en soulignant notamment l'importance que présentaient les questions liées à l'accueil, au logement et à la protection sociale des travailleurs saisonniers. La loi a pu ensuite faire droit aux préoccupations que vous aviez fort pertinemment exprimées. L'avis du CESE relatif à l'avant-projet de loi sur l'égalité réelle dans les Outre-mer a également montré votre volonté de vous associer à l'ambition que le gouvernement portait au travers de ce texte et de la conforter. Je pense également aux travaux que vous avez consacrés aux questions européennes, alors que nous allons célébrer dans quelques jours le 60e anniversaire du traité de Rome. Le gouvernement a demandé votre avis sur la construction d'un socle européen des droits sociaux fondamentaux. Et cet avis a largement inspiré la contribution que la France a remise à la Commission européenne sur ce sujet fondamental pour l'avenir de l'Europe et de sa cohésion. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous lorsque nous nous sommes rencontrés, qu'après que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a décidé d'engager une réflexion des institutions de l'Union sur ce sujet, je vous ai indiqué que la France avait la ferme intention d'être en avant-garde sur cette question. Parce que nous avons une conception de l'Europe que beaucoup d'entre vous ici partagez. Cette conception de l'Europe, elle pense l'Europe, au moment où celle-ci est remise en cause par tous les populismes, comme un espace de protection. Protection d'abord contre le terrorisme. Et j'ai eu l'occasion, dans d'autres fonctions, au ministère de l'Intérieur, avec mon collègue allemand Thomas de Maizière, de faire progresser l'Union européenne sur le chemin qui me paraissait opportun pour faire en sorte que ces protections soient renforcées. Qu'il s'agisse de la mise en place de l'agence Frontex, de garde-côtes et de garde-frontières, qui permet à l'Europe d'être souveraine lorsqu'il s'agit de protéger ses frontières extérieures et de le faire, parce que c'est là aussi l'essentiel, dans la conformité aux valeurs des pères fondateurs de l'Union européenne. Nous avons aussi engagé la réforme du système d'information Schengen pour permettre aux règles de Schengen, qui ne le prévoyaient pas à l'origine, d'assurer le contrôle de nos ressortissants européens qui bénéficient de la libre circulation lorsqu'ils reviennent sur le territoire de l'Union après avoir fréquenté le théâtre des opérations terroristes et s'être livrés pour un certain nombre d'entre eux à des crimes qui méritent la plus grande fermeté de la part de la République et la sanction pénale la plus rigoureuse. Nous avons engagé la réflexion sur l'interconnexion des fichiers, nous avons mis en place un dispositif relatif à l'utilisation des armes à feu.
Nous avons engagé une réflexion pour que, dans un cadre judiciaire, et seulement dans ce cadre, les communications cryptées puissent faire l'objet d'enquêtes de la part du juge judiciaire pour mettre fin aux actes des terroristes qui s'apprêtent à frapper de nouveau notre pays. La protection, c'est aussi la protection de nos secteurs d'excellence, de nos pôles de compétitivité, de nos industries parmi les plus performantes et qui doivent, dans la mondialisation, être capables d'exporter, sinon les emplois seraient moins nombreux à être créés que si nous n'avions pas cette opportunité d'exporter nos biens et nos services par-delà les frontières de l'Union européenne. Mais nous sommes aussi soucieux, et c'est l'objet des réflexions en cours sur les modifications réglementaires relatives au dumping social et fiscal, que cette possibilité d'exporter se fasse, et d'importer par conséquent pour d'autres pays, se fasse dans un cadre de concurrence juste et équitable. La protection, c'est aussi la protection de notre modèle économique et social. Ça veut dire des choses extrêmement précises pour les pays de l'Union européenne, face aux inquiétudes dont vous avez souligné qu'elles étaient de nature à faire monter en Europe tous les populismes. Cela signifie la possibilité de reconnaître le droit à la mobilité des apprentis, la possibilité de mettre en place une carte étudiant, la possibilité de faire évoluer le fonds d'adaptation à la mondialisation pour que les salariés qui voient leur entreprise faire l'objet de restructurations soient davantage protégés dans le cadre d'un dialogue renforcé avec les dirigeants des entreprises en restructuration. Nous avons exprimé aussi le souhait de faire en sorte que l'on puisse, sur le détachement des travailleurs, j'y reviendrai, lutter contre toutes les fraudes au détachement dans le respect rigoureux de l'état de droit et en engageant, au titre de la mise en place de ce socle européen des droits sociaux, la réforme de la directive de 1996, de manière à ce que les États de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même soient davantage armés pour lutter contre le détachement des travailleurs lorsque celui-ci fait l'objet de fraude. Il ne s'agit pas de lutter contre le détachement, mais contre la fraude au détachement. De la même manière, et sur ce sujet du travail détaché, vos travaux plus anciens ont contribué aussi à éclairer la décision politique du gouvernement. Ils ont inspiré les nombreuses dispositions législatives que nous avons été amenés à prendre ces dernières années pour lutter précisément contre ce fléau qu'est la fraude au détachement. Mais au-delà des saisines formelles du gouvernement, le CESE joue un rôle fondamental, et je veux insister sur ce point, pour éclairer les pouvoirs publics sur les grands enjeux, les grands défis de notre temps. L'ensemble de vos travaux nourrit ainsi la réflexion du gouvernement et des parlementaires sur les sujets les plus fondamentaux, les plus essentiels qui peuvent traverser notre société et aussi, parfois, et c'est bien ainsi, faire débat en son sein. Je pense par exemple aux travaux que vous avez conduits sur des sujets majeurs, tels que la justice climatique, la transition numérique ou l'équilibre des relations commerciales dans le secteur alimentaire. Je ne peux évidemment pas me montrer exhaustif dans cette énumération. La synthèse élaborée par le secrétariat général du gouvernement à ma demande sur les suites données par le gouvernement à vos recommandations compte pas moins de 25 pages, ce qui permet de mesurer toute l'étendue de votre influence. Vous avez, pour votre part, souligné, Monsieur le Président, l'importance toute particulière de la vue que le CESE a rendue à la demande du gouvernement sur le développement de la culture du dialogue social. Je voudrais m'y attarder en quelques mots. Je sais, comme vous, que le contexte électoral se prête à la remise en cause du rôle et de la place du dialogue social dans notre pays. Au sein de certaines familles de pensée, on oppose volontiers un peu hâtivement les exigences de ce dialogue à celles de l'efficacité économique. Il faut néanmoins rappeler que l'Europe compte de grandes nations bâties sur le dialogue social et qui ont fait la preuve de leur efficience économique. Il est donc possible, c'est ma conviction profonde, de concilier le souci légitime de l'efficacité, l'exigence de cohésion sociale et la prise en compte des questions environnementales. Je dirais même que ces trois objectifs seront d'autant plus à portée de main qu'ils seront poursuivis de façon coordonnée. C'est pourquoi la France doit continuer à faire partie des pays qui placent le dialogue des partenaires sociaux au cœur de son fonctionnement collectif. Vous venez de me faire part, Monsieur le Président, de votre projet d'ouvrir encore votre Conseil et d'écouter la parole des Français à travers un mécanisme de pétition citoyenne.
Je ne peux que souscrire à cette idée qui enrichira le débat public et bénéficiera grandement à la vie démocratique de notre pays. Mais un tel mécanisme n'a pas vocation, bien entendu, à remettre en cause le rôle des corps intermédiaires dans notre démocratie. Car ce sont aussi les organisations syndicales, patronales, les associations, les mouvements qui sont ici représentés, qui permettent à notre démocratie de demeurer vivante et de fonctionner de façon aussi apaisée que possible. Ce que représente à mes yeux votre Assemblée, c'est au fond la recherche, et c'est une noble recherche, de la cohésion sociale. C'est la volonté de surmonter les désaccords, les contradictions qui peuvent exister au sein de notre société, qui aime peut-être plus que d'autres les contradictions. C'est ce qu'exprimait dans son livre excellent l'historien Michel Vinocq lorsqu'il faisait référence et convoquait le concept de fièvre hexagonale, indiquant ici le goût que nous avions particulièrement en France pour les fractures et les confrontations. Chacun aura bien compris que par tempérament autant que par conviction, j'ai davantage le goût du compromis et du consensus. Je pense que c'est la capacité de faire progresser à travers le dialogue, dans le respect de l'autre et par la recherche du compromis de la société française qui doit constituer la volonté collective de ceux qui sont ici. Je veux aussi ajouter sincèrement, et comme je ne suis candidat à rien dans le contexte particulier, je peux m'autoriser une liberté, que dans un contexte où l'outrance et l'approximation occupent toute la place dans le débat public, où la rigueur des faits revêt moins d'importance que la convocation des instincts, suscitant souvent tous les emportements qui contribuent à l'abaissement du débat public et à des divisions irréparables dans la société, je veux dire devant vous le respect que m'inspire la sagesse qui préside à vos travaux et me réjouir des progrès que cette sagesse engendre par l'émergence de compromis utiles et solides. Dans cette perspective, je voudrais, Monsieur le Président, m'arrêter un instant sur le rôle que tient la maîtrise de la langue française pour le bon fonctionnement de notre pacte national. Car la maîtrise de la langue française n'est pas simplement une compétence scolaire ou professionnelle. Elle est aussi une compétence sociale indispensable à l'exercice de la citoyenneté. Sous la Convention, d'ailleurs, cela nous renvoie à des périodes lointaines, le Comité de l'instruction publique avait proposé sur le rapport de Barère de nommer un instituteur de langue française dans toutes les communes des départements où l'on parlait, ce que l'on appelait à l'époque, un idiome étranger. En effet, la langue participe de la construction de l'identité des personnes et du sentiment d'appartenance à la collectivité nationale. Langue de la République, la langue française doit être la langue de l'intégration. C'est par la maîtrise de la langue que les habitants de ce pays participent à la vie sociale et s'intègrent dans le monde du travail. C'est par la langue qu'ils s'imprègnent de la connaissance de la société française, qu'ils se familiarisent avec ses valeurs et avec sa culture. À l'inverse, une faible maîtrise du français risque de conduire, et conduit souvent, on le sait, à l'exclusion et au repli sur soi. C'est pourquoi tous les enfants de la République doivent se sentir parfaitement à l'aise avec la langue française et tous les adultes résidant dans notre pays, doivent être en capacité d'approfondir leur maîtrise du français. Pour autant, je ne crois pas que la France doive interdire à des ressortissants d'autres pays, et en particulier aux ressortissants des autres pays européens, de venir travailler sur son sol au prétexte qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement sa langue. Vous savez que certaines collectivités ont récemment pris des mesures en vue d'exclure des marchés publics les entreprises dont tous les salariés ne parlent pas le français, ou qui ne disposent pas d'un traducteur à titre permanent. Leurs élus ne font cependant pas mystère de ce que ces clauses ne sont pas inspirées par l'amour de notre langue, mais par l'objectif de faire obstacle à la concurrence d'entreprises étrangères faisant appel à des travailleurs détachés. Et ils ont peine à cacher qu'ils espèrent, pour un certain nombre d'entre eux, je dis les choses franchement, en tirer quelques profits électoraux. Comme vous le savez, mon gouvernement, comme ceux de Manuel Valls et de Jean-Marc Ayrault auparavant, lutte avec une absolue fermeté contre les fraudes au travail détaché. Les préfets ont encore récemment fermé sur ce dispositif plusieurs chantiers importants, par exemple en Bretagne, en Rhône-Alpes, Auvergne, parce que ces fraudes étaient manifestes et qu'il fallait qu'elles soient sanctionnées. À notre initiative, et comme je l'ai dit avec votre concours,
une négociation a été engagée afin de réviser la directive de 1996 sur les travailleurs détachés en encadrant davantage les conditions de leur séjour. Je crois donc être bien placé pour vous dire que l'on peut en cette matière, et nous le faisons fermement, lutter contre les fraudes et contre les excès sans prendre au mépris du droit, en contravention avec l'état de droit et parfois par pur calcul électoral, des mesures ouvertement discriminatoires à l'égard d'entreprises étrangères et qui seront infailliblement condamnées comme telles par n'importe quel tribunal. J'ajoute que ces mesures sont en outre inutiles au regard de l'objectif de sécurité des chantiers, puisque ceux d'entre vous qui connaissez bien le Code du travail êtes parfaitement affranchis sur le fait que celui-ci prévoit déjà des dispositions beaucoup plus précises que celles que l'on prend à la volée pour répondre à cette difficulté. Ces dispositions qui ont été prises par certaines collectivités locales relèvent donc de la pure posture politique. Et cette posture est contraire aux intérêts de la France et contraire aussi, bien entendu, aux intérêts des 150 000 salariés français qui sont aujourd'hui détachés dans un autre pays européen et qui risquent de se trouver pénalisés par des mesures de rétorsion à la suite de ces initiatives plus responsables. Nous ne devons pas utiliser la langue comme un simple prétexte pour susciter des préventions, des suspicions, des rejets. Car la langue, mesdames et messieurs, et notamment la langue française, qui a une vocation universelle, est un lien. Elle est un instrument de rayonnement qui perd en force lorsqu'elle s'érige en barricade. Je sais que les partenaires sociaux qui sont ici représentés, les organisations syndicales comme les organisations d'employeurs, partagent pour une grande partie cette conviction. Et pour mesurer la part de calcul et d'inefficacité qui s'attache aux postures que je viens d'évoquer, vous êtes nombreux à avoir compris que derrière la clause Molière, c'est la clause Tartuffe dont il convient de se méfier. En revanche, l'apprentissage du français constitue bien entendu un enjeu majeur pour ceux qui arrivent en France et qui souhaitent s'y établir de façon durable. C'est là une des clés de leur intégration. Et c'est pourquoi nous avons considérablement renforcé, avec la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers, la formation linguistique à laquelle ont accès les primo-arrivants dans le cadre de leur contrat d'intégration, ainsi du reste que leur formation aux valeurs de la République. Ce souci doit nous guider autant à l'égard des enfants de familles étrangères que de leurs parents. On sait du reste que ce sont bien souvent les enfants dans les familles non francophones qui apportent dans leur foyer la langue apprise à l'école et que les parents réciproquement s'astreignent à parler suffisamment le français pour communiquer avec les enseignants afin de s'assurer de la réussite scolaire de leurs enfants. Au demeurant, l'enjeu principal dans ce domaine et dont on parle moins malheureusement, réside sans doute dans la nécessité d'apporter une aide efficace aux 6 millions de Français qui rencontrent des difficultés dans la maîtrise de leur propre langue. C'est là un sujet fondamental que la République ne peut pas ignorer, car c'est bien de nos concitoyens dont il s'agit, et non de travailleurs étrangers. Un jeune Français sur 10, lors des tests passés dans les journées Défense et Citoyenneté, est en effet confronté à des difficultés élémentaires de lecture. Et des études plus fines montrent que ces difficultés dans la maîtrise de la langue peuvent concerner tous les âges, toucher des personnes ici de milieux professionnels et sociaux très différents. Nous savons que ces difficultés se nouent souvent dès l'enfance. Et c'est pourquoi l'apprentissage du français a constitué l'une des priorités placées au cœur de la loi de 2013 sur la refondation de l'école. Les nouveaux programmes de l'école maternelle, de l'école élémentaire s'attache ainsi à renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux, à commencer par la lecture et l'écriture. Le gouvernement a également encouragé la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, qui facilite la maîtrise précoce de la langue et contribue à renforcer l'égalité des chances tout au long du parcours scolaire. À l'âge adulte, mesdames et messieurs, la maîtrise du français est aussi un enjeu absolument essentiel pour l'accès à l'emploi. Un demandeur d'emploi sur 10 est en situation de difficulté de pratique de la langue française. Car même pour exécuter des tâches qui peuvent paraître simples, il faut désormais savoir lire aisément une notice, une consigne, un tableau, savoir rédiger des messages clairs, même brefs. Et nous savons aussi que dans le monde du travail,
Il peut arriver que certaines personnes désapprennent à lire et à écrire si elles n'ont pas eu souvent l'occasion de mettre ces compétences en pratique. Le jour où leur travail évolue ou lorsqu'elles ont besoin de changer d'emploi, elles se trouvent ainsi confrontées à de réelles difficultés. Le combat contre l'illettrisme est donc à la fois une exigence de solidarité à l'égard de ceux qui en souffrent et une absolue nécessité sociale. Je veux saluer ici le travail courageux et opiniâtre mené depuis des années sur ce terrain par les associations, par les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, avec ou sans le soutien de l'État. Mais l'importance des besoins en cause nous a porté à considérer que nous ne pouvions plus nous contenter d'une telle construction empirique qui présente nécessairement des lacunes, des chevauchements et des zones d'ombre. Ces actions éparses doivent être davantage coordonnées et ce réseau informel doit gagner absolument en cohérence. La France devait donc se doter d'une politique de la langue française qui soit à la hauteur de ses besoins. Nous ressentions la nécessité d'une impulsion nouvelle et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé la création d'un délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale. Cette institution nouvelle devra couvrir les nombreux champs concernés par la maîtrise de la langue française. Le monde du travail, où l'illettrisme doit reculer, la formation des personnes étrangères non francophones, pour lesquelles l'apprentissage de notre langue est un puissant facteur d'intégration, ou encore l'apprentissage du français dans les collectivités ultramarines. J'ai confié cette mission à Thierry Lepan, dont nous connaissons tous ici l'intérêt qu'il a porté de longue date à ces questions et que je remercie chaleureusement pour son engagement. Il aura notamment pour mission d'élaborer un plan national pour la maîtrise de la langue française. Il devra nouer pour le mettre en œuvre tous les partenariats nécessaires entre l'État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les établissements publics et le secteur associatif. Et je sais comme vous qu'il possède la compétence, l'expérience et la passion nécessaires pour assumer cette tâche considérable. La langue n'est pas en France un simple outil de communication. Et je veux aussi insister sur ce point. Elle est un élément de notre patrimoine auquel chaque Français est viscéralement attaché, comme le montrent les polémiques que provoque de façon inévitable toute tentative de réforme de l'orthographe. Elle a été l'un des ciments de l'unité nationale, bien que nous sachions aujourd'hui qu'elle peut coexister paisiblement avec les autres langues de France dont nous avons appris à apprécier la richesse. Elle est aussi un trésor que nous partageons avec 270 millions de locuteurs francophones, aujourd'hui présents sur les 5 continents. Ils étaient 5 fois moins nombreux lorsque Rivarol écrivait son discours sur l'universalité de la langue française. Elle est enfin inséparable du message universel de la France, outil merveilleux trouvé dans les décombres de la colonisation, comme le disait Senghor. Il n'est donc pas dans la République de mission plus belle que de veiller à faire prospérer cette grande passion nationale, l'amour, l'amour absolu de la langue française. Monsieur le Président Bernard Scogny, mesdames et messieurs les conseillers, je voudrais vous dire pour conclure avec une certaine solennité que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin de lieux tels que le Conseil économique, social et environnemental pour éclairer le débat public, pour dialoguer, pour construire ensemble une société meilleure, parce que davantage rassemblée et apaisée. Par nos travaux, par vos travaux, vous montrez que la voie du dialogue est féconde et utile. Nous allons, Monsieur le Président, continuer à travailler étroitement pendant les 2 mois à venir, comme nous le faisons depuis 5 ans. Nous le devons aux Français, nous le devons à notre pays, car nous sommes tous ici animés par l'amour de la République et de la France. Et je voudrais formuler un vœu pour conclure, celui que dans la période particulière où nous nous trouvons, avec les risques et les dangers qui se présentent à nous, et par-delà cette période lorsque les Français auront fait leur choix, nous soyons suffisamment forts de ce que nous sommes ensemble pour préférer l'unité et l'indivisibilité de la République, la recherche du compromis et du consensus sur les sujets essentiels, plutôt que la division toujours dans les excès et les outrances qui peuvent créer dans la République des blessures irremplaçables. La République est un bien précieux et c'est en même temps, comme la démocratie, vous l'avez dit excellemment, un bien fragile. Et nous aurions grand tort de considérer que sous prétexte que nous transmettons au monde
depuis maintenant plusieurs siècles, des valeurs universelles, nous sommes garantis de pouvoir le faire toujours. Ce qu'il y a de plus précieux dans la République, c'est-à-dire les valeurs auxquelles nous adhérons tous, peuvent pour certains ne pas aller de soi. Et je vous renvoie à certains choix qu'ont fait certains pays dans le monde. Et au moment où je vous parle, les citoyens des Pays-Bas s'apprêtent à désigner leur gouvernement et ils font ce choix alors qu'un risque considérable se présente à leur pays de le voir s'éloigner des valeurs des pères fondateurs de l'Union européenne. Et donc ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus intangible, et ce qu'il y a aussi, si l'on a toutefois le sens de l'histoire, ce qu'il y a de plus fragile. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui portent une parole publique, qu'ils soient investis de la responsabilité du gouvernement ou de l'élaboration de la loi, qu'ils soient investis de responsabilités syndicales ou associatives, sont les dépositaires de ce trésor dont nous venons de parler ensemble. Et chaque mot doit être choisi. Chaque concept convoqué doit être exigeant. Précisément parce que lorsque la parole s'exprime dans un contexte où des choix doivent être faits alors que des dangers se présentent à un pays, chaque mot compte. Chaque concept convoqué a son importance. Et l'amour de la République doit aussi se traduire par une exigence et une rigueur intellectuelle qui doit inciter chacune et chacun d'entre nous à se poser la question, avant qu'il ne parle, de savoir si ce qu'il dit est de nature à rendre la République plus forte ou à l'affaiblir par le truchement de l'abaissement de la parole publique lorsqu'elle convoque davantage les instincts que les faits et la raison. Comme je sais que cette assemblée, vous siégez avec passion, est une assemblée de sagesse, je voulais vous dire à quel point nous avons besoin de votre sagesse, à quel point nous avons besoin de vos lumières et à quel point nous tenons à la confiance qui nous unit à vous. Vive le Conseil économique, social et environnemental, vive la République et vive la France. Si vous voulez bien, donc, nous allons reprendre le déroulement de cette plénière. Et je vais donc appeler voilà, au pupitre M. Frédéric Bocara, qui est rapporteur au nom de la section de l'économie et des finances, présidé par Hélène Fauvel, rapporteur du projet d'avis Les PME-TPE et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité. Monsieur le Président, mes chers collègues, mes chers amis, je tiens d'abord à remercier tous les membres de la section économie-finance pour m'avoir confié la tâche de rapporteur de cet avis, ainsi que pour le travail qui a été fait, le résultat, pour les auditions que les uns et les autres ont permises par les idées qu'ils ont émises et les contacts qu'ils ont donnés, les débats enrichissants que nous avons pu avoir, des débats qui ont permis de construire cet avis, avec un remerciement spécial à Hélène Fauvel, qui préside notre section, et un remerciement aussi à toutes celles et tous ceux qui ont permis la rédaction de l'avis. En premier lieu, Serge Bauchet, qui est venu nous appuyer pendant quelques mois avec sa grande connaissance du domaine des PME-TPE, de leur écosystème, mais aussi à Emmanuel et à Maryse, qui sont ici et là, et ainsi qu'à Osgul, qui est attaché du groupe des personnalités qualifiées. Pour cet avis, nous avons eu la chance d'auditionner 64 personnes. Audition toujours très intéressante, dans lesquelles nous avons beaucoup appris. C'est d'ailleurs un des éléments très enrichissants du CESE et du,
des avis que nous avons à faire. On a tenté d'en retraduire certains éléments dans le texte de l'avis, même si on n'a pas pu restituer malheureusement toute la matière des auditions. Les interviews sont disponibles comme d'habitude sur le site du CESE et je remercie à cette occasion aussi toutes les personnes de la cellule communication pour leur professionnalisme, leur inventivité, leur grande disponibilité. On entendra tout à l'heure quelques extraits de certaines interviews. Pour l'heure, je voudrais, 1, donner des éléments de contexte, 2, présenter quelques constats, avec une infographie qui sera projetée tout à l'heure, et enfin, présenter les préconisations formulées par l'avis. Bon, c'est un avis qui a une certaine technicité, hein, comme on dit dans un film connu, il y en a aussi, mais c'est un peu inévitable. Donc, le contexte. Les petites et moyennes entreprises, c'est une grande question. Elles sont très nombreuses, plusieurs millions, représentent la moitié de l'emploi des entreprises. Elles sont un levier majeur pour la création d'emplois en France. Leur contribution à l'emploi peut être décisive, même si, comme nous le disons dans l'avis, elles ne sont pas exclusives de ce qui peut se passer aussi du côté de la contribution des autres entreprises. Deuxièmement, les PME, TPE sont présentes dans tous les territoires, de façon régulière sur tout le territoire national, y compris bien sûr les Outre-mer, et elles sont là où sont les gens. Elles sont aussi, les PME-TPE, très diverses. On trouve dans cette population, pour reprendre un mot de statisticien, l'artisan sans salarié, la PMI de 200 salariés à l'autre bout, des commerçants, des professions libérales, de l'avocat à l'infirmière, en passant par l'expert comptable, l'architecte, l'artisan du bâtiment avec un ou deux salariés, la start-up de high-tech, des sous-traitantes industrielles de 8-9 salariés, entreprises informatiques, une SCOP, pour peu que sa taille ne soit pas trop importante, des associations d'aide à domicile, des associations qui commercialisent des produits bio ou de proximité. Je ne continue pas parce que je vais me fâcher avec tout le monde, en oubliant tout le monde et en citant jamais ce qu'il faut. Mais enfin, il faut montrer la diversité en l'évoquant. Enfin, il faut souligner les spécificités de l'emploi dans les PME-TPE. Des salaires moins élevés qu'en moyenne, plus de SMIC, jusqu'à 24% de SMICAR, comme on dit, dans les TPE de 1 à 9 salariés, un taux d'accès à la formation deux fois plus faible, un taux de participation au financement de la formation deux à trois fois plus faible. Par ailleurs, trois éléments marquent l'arrière-plan fondamental de cet avis. L'emploi, l'investissement et les transformations technologiques, comme c'est écrit derrière moi. L'emploi, bien sûr, c'est le chômage massif et la précarité persistante, avec la pauvreté, et c'est ce qui nous a conduit à formuler l'avis de cette façon-là. Centré sur le développement des PME-TPE, l'emploi et l'efficacité. C'est-à-dire, par l'efficacité, toute la valeur ajoutée, au-delà du seul profit, bien sûr, une valeur ajoutée rapportée à la mise de fonds, parce que l'efficacité, comme nous l'expliquons dans un encadré, c'est la relation à l'effort qui est fait. Deuxièmement, l'investissement. Il est en difficulté, particulièrement pour les indicateurs qu'on peut avoir concernant l'investissement des PME-TPE. Le rapport Villeroy de Gallo, qui date déjà d'il y a 2 ans, le montre bien, sans qu'il était nécessaire de reprendre complètement les choses dans la vie, mais c'est une vraie question, un véritable défi, parce que c'est la capacité de rebond de l'économie française en lien avec une transformation de l'offre productive, industrielle et de services. Parce qu'il faut être en capacité de répondre à une reprise de la demande, demande et offre, mais une reprise de la demande intérieure et extérieure pour impulser même cette demande par des avances et du crédit, en conjuguant durabilité écologique avec une efficacité sociale et économique. Et enfin, le troisième élément, les transformations technologiques, parce qu'elles nous posent un nouveau défi. On assiste à une véritable révolution technologique. L'avis parle de révolution informationnelle, dont la phase actuelle est la révolution numérique. C'est une révolution de même importance que la révolution industrielle, tout aussi transversale, et je crois que nous n'en sommes qu'à des débuts. Parce que c'est les fonctions informationnels du cerveau qui sont remplacés par des machines, et c'est très différent de la révolution industrielle où c'est la main de l'être humain qui est remplacée par une machine-outil. Parce que l'information, c'est une logique nouvelle. Et donc, il faut aller au-delà des logiques existantes. Par exemple, très concrètement, la formation, la recherche, les capacités humaines, les qualifications deviennent de plus en plus décisives. Du coup, c'est les dépenses immatérielles qu'il faut financer. Et en contrepartie de ces dépenses, on ne peut pas prendre de gage. Au contraire de ce qu'on peut faire avec une machine. D'où l'importance donnée aux caisses de garantie mutuelle, à l'intervention publique, avec notamment BPI France. Mais j'anticipe. Alors, il s'agit en tout cas, expliquons-nous dans l'avis, et c'est peut-être un de ces éléments d'originalité, de penser de plus en plus l'investissement comme un mixte entre des dépenses matérielles et immatérielles, et donc d'accompagner ça, de le permettre, de l'anticiper, et de l'appuyer,
et c'est peut-être au fond avec le chômage notre principal défi. Ça interroge nos critères actuels d'évaluation des entreprises, nos grilles de lecture, y compris particulièrement pour le financement. Et en contrepoint de ce qu'on appelle, après Smith, la main invisible du marché, ça renvoie à la poignée de main visible du banquier. Alors, valeur ajoutée dans l'efficacité, emploi et révolution informationnelle, c'est un peu le fil conducteur de la vie, un fil un peu multicolore, tressé, si vous voulez. Alors, les constats. Quelques constats concernant les financements. On distinguera le crédit, puis l'épargne. Le crédit bancaire, c'est de loin l'élément central du développement des PME-TPE en France. Et il le restera probablement pendant plusieurs années. C'est en centaines de milliards, et non en millions, qu'il faut compter le crédit bancaire. 375 milliards pour l'encours à la fin 2016. Mais, comme la vit le monde, de multiples outils de financement non bancaires ont été mis en place et développés. C'est des outils d'appui au financement liés à l'épargne et aux fonds, à des fonds. Donc, le financement participatif, en anglais crowdfunding, des fonds d'investissement, le placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, des plateformes de transactions boursières, Alternext, Euronext, pour les PME de la zone euro, ce qu'il est convenu d'appeler les business angels, des plateformes d'aide à l'entrepreneuriat. Et puis, autre élément fondamental, les fonds propres des entreprises. L'autofinancement est en réalité le premier poste de financement de l'entreprise. Et là, la situation s'est améliorée. Selon la Banque de France, les fonds propres des PME-TPE ont augmenté de 44% entre 2009 et 2015. Alors, des fragilités persistent, et la situation des TPE est spécifique, d'où une préconisation pour le renforcement de ces fonds propres. Et enfin, beaucoup a été fait pour le financement de la création d'entreprises. Il s'agit de poursuivre ce qui est fait, mais notre sujet, c'est le développement. Et donc, on est tombé sur une question importante qui est une sorte de paradoxe. Les statistiques monétaires annoncent un afflux de liquidités en augmentation, et de l'autre côté, un ressenti exprimé par certaines entreprises, certains chefs et chefs d'entreprise, que le crédit serait insuffisant. Alors, l'afflux de liquidités, il faut le relativiser. Je suis désolé de donner quelques chiffres, mais les ordres de grandeur, ça compte. Le crédit au TPE-PME augmente de 2,8% sur un an. Ce n'est pas très éloigné de la croissance en valeur nominale du PIB, qui est de 2% à peu près, 1,9%. Et c'est très inférieur à la croissance du crédit pour les entreprises, qui est près de 9%. Et puis, dans les Outre-mer, il faut rappeler que l'afflux est moins dynamique, voire en recul, notamment dans les territoires du Pacifique. Enfin, retenons cependant cette idée d'un afflux en métropole, et de l'autre côté, ce ressenti que le crédit serait insuffisant, outre ceux qui s'autocensurent comme chefs d'entreprise et qui ne font pas apparaître leurs demandes de crédit. D'ailleurs, l'enquête SAFE, menée sous l'impulsion de la Banque Centrale Européenne, fait apparaître la France comme le seul pays de la zone euro, avec la Grèce, où la demande de financement par les entreprises est supérieure à l'offre de financement par les banques. Alors, avant de donner quelques éléments d'éclairage sur cette question, je vais vous demander d'entendre précisément une vidéo avec 4 témoignages, 4 ressentis par différents chefs d'entreprise, 2 femmes et 2 hommes. Aujourd'hui, il serait nécessaire de relancer cet investissement, ce qui permettrait aussi aux entreprises d'être plus compétitives et de pouvoir répondre aux nouveaux marchés qui s'ouvrent aujourd'hui et à la reprise économique qui s'annonce. Donc on a une vraie problématique de soutien particulier au financement de ces nouveaux équipements. Alors je pense qu'il faudrait un dispositif qui permette de regarder de manière globale dans le cadre d'un projet d'investissement, à la fois sur l'investissement matériel, mais aussi forcément derrière, en conséquence, l'investissement numérique et la transformation numérique, et puis également la formation des personnes et des collaborateurs. Donc c'est plutôt une vision globale. Et qu'on puisse aussi avoir des interlocuteurs qui soient capables de faire une analyse précise et de pouvoir apporter une argumentation particulière sur l'intérêt même d'un projet d'entreprise et de pouvoir défendre ces éléments-là près des organismes bancaires qui pourraient être intéressés pour financer cet investissement. Bien, mon bilan, je dirais qu'il est mitigé. À la fois, je pense qu'il est important d'avoir de bonnes relations, d'entretenir de bonnes relations régulière avec son banquier. J'ai toujours pensé qu'il faut aussi s'accompagner d'un bon expert comptable et d'un avocat d'affaires.
qui sont vraiment des partenaires pour les chefs d'entreprise dans les TPE. Je pense aussi que le conseiller bancaire devrait effectivement peut-être avoir un peu plus un volet conseiller justement et de solliciter plus souvent le rendez-vous avec son client et d'anticiper aussi sur les besoins éventuellement de trésorerie ou de besoins pour un investissement ponctuel. Alors j'ai eu l'expérience récente d'avoir dû changer de conseiller bancaire. Et je déplore que cette personne soit arrivée dans l'agence finalement après avoir eu des clients en particulier privés et ne connaissait pas le domaine des professionnels. Et elle aurait dû, je pense, ce serait bien que ces conseillers-là soient formés en amont avant d'arriver à l'agence, puisqu'ensuite après elles ont des périodes de formation et du coup on ne voit plus le conseiller pendant un certain temps. Et c'est vrai qu'on a un volet professionnel et privé et que du coup il faut que la personne... soit compétente dans les deux domaines, donc se forme avant d'arriver. Alors à mon avis, les carences qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est à deux niveaux. C'est au niveau déjà de la formation des chefs d'entreprise. Au niveau des TPE, à mon avis, il manque certainement de culture financière à la fois en termes de gestion d'entreprise et en termes de présentation de dossiers de financement, au sens large, c'est-à-dire à la fois quand faire appel au financement, que ce soit pour un développement, un investissement, mais même pour anticiper d'éventuelles difficultés. Donc ça, c'est la partie chef d'entreprise. Et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau des financeurs, classiquement banquiers, qui pourraient être plus accompagnants et en tout cas plus à l'écoute peut-être des chefs d'entreprise. Alors dans les mesures immédiates, justement, je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est d'abord la préparation et la formation des chefs d'entreprise, qui pour moi est essentielle. Aujourd'hui, ils ont tendance à avoir un peu peur de l'institution bancaire, peur d'aborder leur banquier, principalement quand ils ont des difficultés. On pense à aller voir son banquier quand on a besoin de financement pour se développer, parce que c'est plutôt une annonce de bonnes nouvelles et de chiffre d'affaires en croissance et de développement de l'entreprise. Par contre, en cas de difficulté, c'est plus difficile d'aller voir son banquier. Donc je pense qu'il faut vraiment axer la formation des chefs d'entreprise, leur expliquer qu'ils sont eux le moteur de l'investissement et de l'emploi. Je pense qu'il faut leur apprendre à gérer au quotidien pour pouvoir envisager un développement. Et un développement, donc c'est à la fois de l'investissement et de l'emploi. De notre expérience à Galilée, qui est donc une société d'une trentaine de personnes qui évolue dans le domaine de l'informatique, la relation qu'on a eue au financement s'est exercée de manière différente. Distinguons les solutions de financement public et les solutions de financement privé. Dans le cours de notre histoire, il s'est avéré qu'on a eu beaucoup plus de capacité d'accompagner le développement de l'entreprise grâce à l'apport des financements publics, là où le recours au financement privé s'est d'une manière générale exercé dans un cadre qui a rarement été en phase avec les besoins de l'entreprise. Donc en termes de carence, j'évoquerai le fait que l'accès au financement relève d'une difficulté particulière dès lors que particulièrement il ne s'adosse pas à des biens matériels. Deux points essentiels. Le premier me semblait être d'ordre pédagogique, dans le sens où, parce qu'on ne connaît pas à la base les dispositifs possibles, et il n'est pas nécessairement aisé d'avoir accès à ces informations. Et en deuxième lieu, j'évoquerai le fait d'avoir une capacité d'accéder à des financements hors de ce que j'appelle une sphère de profit. C'est-à-dire que la problématique de la PME ou de la TPE qui a besoin d'accéder à du financement peut trouver des issues extrêmement intéressantes dans des relations avec des organismes comme BPI ou comme différentes institutions publiques qui vont apporter potentiellement ces financements sans nécessairement les monétiser comme le ferait un acteur privé, ce qui va d'autant faciliter la capacité d'accès au financement pour la TPE ou pour la PME. Merci. Alors, revenons donc au constat sur les financements. D'abord, il faut noter, il faut dire que beaucoup a été fait depuis 2008. On a créé la médiation du crédit, BPI France a été mis en place, la politique monétaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a émis des liquidités importantes, insiste aussi elle-même sur le besoin d'appuyer les PME-TPE,
Elle a même mis en place un instrument de mesure spécifique dont on a déjà parlé, l'enquête SAFE sur l'accès au crédit. Des choses ont été faites pour les PME-TPE en difficulté aussi. L'action d'un organisme méconnu, le Comité consultatif des services financiers, le CCSF, qui est un organisme public sous l'égide du préfet et de la DGFiP, qui peut agir sur le report des dettes sociales et fiscales. Mais bon, au-delà même du ressenti, on a vu ce problème sur la demande par rapport à l'offre de crédit, et l'investissement des PME-TPE continue à reculer. Le dernier chiffre enregistré pour les PME, c'est toujours un peu plus tard, parce qu'il faut distinguer dans l'ensemble des entreprises, c'est en 2015, moins 6,5% pour l'investissement matériel. Alors, premier élément de réponse, pourquoi on a cette discordance ? C'est beaucoup plus le crédit à l'investissement immobilier des entreprises que celui à l'investissement matériel ou à la trésorerie qui augmente, ce qu'on peut voir sur le graphique. D'où une question sur l'orientation des financements. Second élément, deux trous importants dans la raquette, en quelque sorte. Le crédit de trésorerie, qui fait défaut à une PME sur 5 et à une TPE sur 3, un tiers, et le crédit aux dépenses immatérielles, comme on l'a dit, avec les difficultés et la nouveauté. Troisième élément, une certaine autocensure. 25% des dirigeants de PME et de TPE déclarent ne pas faire appel au crédit bancaire par principe. Enfin, le coût effectif du crédit. C'est le dernier élément pour comprendre le ressenti, parce qu'on a des taux d'intérêt apparemment bas, qui ont diminué. Bon, ils restent cependant plus élevés pour les TPE que pour les PME, plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises. Ils sont aussi plus élevés dans l'outre-mer, dans les outre-mer d'ailleurs. Mais en tout cas, malgré un taux d'intérêt autour de 2%, le poids des charges financières prélevées sur les résultats des entreprises reste élevé. Et donc je vous propose de regarder une petite infographie qui peut permettre de comprendre les choses. Alors voilà, vous avez voilà le graphique qui montre le poids des charges financières dans l'ensemble des profits bruts des entreprises. Alors, à gauche, c'est on va des plus petites aux plus grandes entreprises. TPE, moyenne PME, grosse PME et grandes entreprises. Et on voit, c'est un poids qui n'est pas en concordance avec le 2% de charges d'intérêt. Comment on passe de l'un à l'autre ? C'est ce qui va nous permettre de... On va pouvoir le comprendre en dézoomant un peu, en passant à l'image suivante. Donc, vous voyez... En fait, ces charges financières sont l'aboutissement de toute une série de mécanismes. Si on recule, on va les regarder rapidement ensemble. Merci de passer à l'image suivante encore. Voilà. Alors là, c'est un peu moins distinct, mais tout en haut, les taux d'intérêt sont à 2%, 2,1%, 1,7%, sont autour de 2%, avec toujours les TPE à gauche et les plus grandes à droite. Mais... À ça s'ajoute le recours à des découverts, qu'on ne sait pas séparer, mais on sait que ça existe, et on sait que les taux sont plus élevés. On ne sait pas les séparer dans la comptabilité des entreprises, mais ça existe. Ensuite, le coût des garanties. Ensuite, les autres charges financières de toute nature. Et enfin, il faut rapporter ça au bénéfice, c'est sur le bénéfice qu'on peut payer les charges d'intérêt et les charges bancaires. Et donc, avec un reste une fois, du bénéfice, une fois que les charges financières sont payées, qui s'étalent entre quelques dizaines de milliers d'euros et quelques millions pour les plus grandes entreprises. Voilà. Donc, on est un petit peu souvent sur une myopie quand on s'intéresse uniquement à la charge, au taux d'intérêt des banques. Les charges financières sur les entreprises sont plus lourdes qu'on ne le croit, et ça explique aussi, croyons-nous, le ressenti. Le graphique, d'ailleurs, est assez éclairant. Alors, si on revient sur le PowerPoint, donc, autre élément, les délais de paiement. Les délais de paiement entre entreprises jouent un rôle important sur la trésorerie. Ils avaient diminué après l'adoption d'une loi en 2008 qui réduisait les délais de paiement légal à 60 jours ouvrables, calendaires, pardon. Mais ils sont dégradés depuis 2 ans à nouveau. Et alors que 60 jours, c'est le délai légal, ils sont en moyenne de 79 jours. Plus élevé d'ailleurs que dans un certain nombre de pays européens, et la perte de trésorerie pour les PME est estimée à 16 milliards. Autre élément, le relationnel, on peut dire, entre les banques et les PME-TPE, on a pu l'entendre d'ailleurs dans les vidéos, ressortent deux aspects.
le conseiller ou la conseillère bancaire et les critères de sélectivité. Alors, il faut faire attention parce que l'adage « on ne prête qu'aux gens riches et en bonne santé » apparaît vite. Et je crois, nous pensons qu'il faut éviter toute posture de méfiance réciproque. Il faut rechercher l'efficacité et le bien commun. De bonnes pratiques existent, il faut s'en inspirer. On en indique d'ailleurs dans le cas du réseau de référent financement de la Basse-Normandie, enfin l'ex-Basse-Normandie, parce qu'il s'agit d'améliorer la fluidité de la relation entre dirigeants et banquiers. Mais il y a aussi un grand enjeu de formation des conseillers PME dans les banques et aussi leur stabilisation dans une certaine mesure. Enfin, les prises de garantie sur les biens personnels des dirigeants d'entreprise font aussi partie du relationnel. Et il y a des excès qui ne sont pas acceptables lorsque on prend plus de 100% du crédit en garantie et sur des biens personnels, il y a des choses qu'il faut chercher à limiter. Et puis, chose importante, BPI France, détenue à parts égales par l'État et la Caisse des dépôts, elle est depuis 2012 la banque publique d'investissement qui accompagne les entreprises auprès des banques. Elle intervient par plusieurs moyens, principalement prise de participation, garantie et crédit. Elle se positionne en accompagnant les banques. Alors elle s'est installée dans le paysage, elle s'adresse à plusieurs dizaines de milliers de PME et de TPE, mais sa taille reste limitée sur le crédit aux PME et TPE, c'est 3,6% de l'encours total des crédits bancaires à ces entreprises. Et le fait qu'elle intervienne avec les banques, ça veut dire quoi? Elle intervient en cofinancement des prêts bancaires associés, un pour un de elle, un des banques. Alors sa position va influer positivement sur ce que font les banques, sur l'étude du dossier, mais les banques gardent la maîtrise de la décision finale d'accorder ou non leur concours. Et donc, leur décision est de facto prépondérante pour l'octroi du crédit global. En plus, BPI France donne une garantie, mais délègue ça aux banques. Elle s'en remet donc, dans une certaine mesure, aux banques pour la sélection des dossiers. Et donc, c'est un peu paradoxal, comme le dit un rapport parlementaire récent, qu'elle ait d'une part pour objectif de combler les défaillances de marché en intervenant là où les acteurs privés ne sont pas, mais en même temps, elles ne doivent systématiquement agir qu'en co-investissement avec ces mêmes acteurs privés. Et puis, elle ne dispose pas d'un réseau capillaire ou de ressources suffisamment étendues pour jouer vraiment le rôle d'une banque de proximité pour l'ensemble des PME et surtout pour l'ensemble des TPE. D'ailleurs, elle a un seuil d'intervention qui sont pour les entreprises au-delà de 3 salariés. Bon, dans le même temps, il faut souligner, BPI France a pris une initiative qui nous semble à souligner et très importante, qui développe des prêts développement dédiés aux TPE en partenariat avec les régions. C'est des prêts qui concernent l'immatériel, à bateau, sur une durée de 5 ans, avec un an différé, on attend d'avoir fait l'activité, d'avoir produit, d'avoir mis en œuvre la transformation numérique, et ensuite on commence à rembourser. La garantie est prise en charge par BPI France, elle est mutualisée, sur la base d'une dotation publique. C'est une excellente pratique à développer, c'est d'ailleurs ce que disent les acteurs, particulièrement pour une transition numérique et écologique réussie. Enfin, dans les constats, il y a la formation des dirigeants et les aspects européens. La formation des dirigeants, la difficulté quand on est absorbé dans le travail opérationnel, entre guillemets, la difficulté à acquérir une culture de gestion, une culture financière, et ça met en avant la relation avec tous les partenaires des PME-TPE, au premier rang, l'expert comptable. Et enfin, les aspects européens, ils sont directement présents pour ce qui concerne les PME-TPE. Ce n'est pas si loin que ça, en réalité. Puisqu'on a l'action de la Banque Centrale Européenne qui va donner des liquidités aux banques ou pas, elle se préoccupe des PME, et la Banque Européenne d'Investissement aussi, dans le cadre du plan Juncker, qui est censé s'adresser à un plan d'investissement des PME. Donc on les a auditionnés, et puis chaque fois qu'on parle des banques, et à chaque audition, on nous a parlé des normes prudentielles, des normes réglementaires qui pèsent sur les banques. Donc on a fait un certain nombre de préconisations et je vais essayer de les brosser rapidement. Donc la démarche qui a présidé d'abord aux préconisations formulées, double démarche. Un, on a un couple banque PME-TPE, comment agir dessus tout en les laissant faire chacun de ces acteurs ce qu'ils savent faire. C'est un peu ça l'esprit. Deuxièmement, ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas déstabiliser la situation des banques. Il ne s'agit pas de pratiquer un crédit sans sélectivité, mais de pousser plutôt à une nouvelle efficacité. Alors d'abord, le crédit bancaire. Premièrement, préconisation, c'est orienter le crédit bancaire vers les PME-TPE en favorisant des critères précis. Donc, 3 préconisations. La première, des fonds régionaux
qui ferait levier sur le crédit bancaire, c'est des fonds régionaux de garantie, de bonification et d'amorçage dédiés aux PME-TPE, abondés par l'État, pour favoriser l'investissement porteur de développement, d'emploi et d'efficacité. Ça nous semble très important. Deuxièmement, ce dont on a parlé tout à l'heure, pour favoriser la transformation numérique efficace et l'investissement immatériel, développer le pré-croissance TPE de BPI France. Mais, troisième élément, il faut changer la dimension de BPI France pour qu'elle s'adresse à l'ensemble des TPE et promouvoir une autre sélectivité du crédit, c'est-à-dire ne pas être suiviste des banques existantes, uniquement. Aujourd'hui, c'est 5000 TPE par an, BPI France. 5000 TPE, ça fait 50 par département. Il faut changer de dimension. Nous avons évoqué dans l'avis environ 50 000 par an pendant 5 ans. Ça fait 250 000 au bout de 5 ans. Bon, sur 2,5 millions, ça commence à faire quelque chose pour impulser la transformation numérique. Et le rapport, l'avis insiste sur le besoin que BPI France se dote de capacités d'évaluation socio-économique propre, l'effet emploi, l'effet valeur ajoutée, et puis aussi renforcer la présence des représentants des salariés dans la gouvernance de BPI France. Alors, il y a des préconisations, vous avez pris connaissance, bien sûr, sur la relation banque-PME-TPE, la limitation du recours aux garanties sur les biens personnels des dirigeants par les banques, et promouvoir toutes les garanties par des sociétés de caution mutuelle. C'est très important, hein, les garanties pour les PME-TPE, les gens qui sont dans le milieu le savent très bien, et des sociétés comme la CIAGI fonctionnent en pré-garantie en amont des banques et fonctionnent très bien, avec des critères adaptés. Ensuite, il y a la médiation du crédit, il faut la pérenniser, et nous proposons, en reprenant d'ailleurs une préconisation du rapport Villois de Gallo, d'élargir les missions de la médiation aux conseils en amont des PME-TPE avec leurs banques. Et puis, il y a une évaluation, il y a des engagements qui ont été pris par les banques en lien avec l'Observatoire de financement, 5 engagements dont il faut poursuivre l'évaluation. Je ne les reprends pas, mais ils sont connus et mis dans le rapport. Et enfin, renforcer la filière du métier de conseil bancaire au TPE, et ceci de différentes façons que précise l'avis. Troisième préconisation, la transparence et l'implication régionale. C'est la région le niveau plutôt pertinent pour ces entreprises. Il s'agit d'enrichir l'information publique sur les crédits accordés aux PME-TPE et d'organiser, en lien avec ça, des conférences annuelles régionales et nationales avec les Césaire et une synthèse par le CESE sur le suivi de ces crédits, des investissements qu'ils ont permis de réaliser et leurs effets, notamment sur l'emploi et la valeur ajoutée. Il y a là un vrai enjeu de connaissance et de transparence qui peut être vivifiant. Quatrième point, les fonds propres et l'épargne. Nous proposons une modulation à la baisse de l'impôt sur le résultat des PME-TPE si ce résultat est affecté en fonds propres et de l'autre côté utilisé à des fins d'investissement productif porteur d'emploi. Mesure dont nous pensons, dans la culture d'évaluation du CESE, qu'elle, si elle est mise en place, elle devra être évaluée. Et puis, il y a la question de toute l'épargne en assurance vie des ménages, l'épargne solidaire, l'épargne salariale des entreprises, qu'il faut orienter vers le financement des TPE-PME, une partie, bien sûr, des fonds de cette épargne. Cinquièmement, l'appui à la gestion, avec la mission de conseil de gestion qu'il faut valoriser. Et là, on forme une préconisation qui tient compte de l'écosystème qu'il y a en matière d'experts comptables et d'instances de la profession. Renforcer la culture financière et de gestion des chefs d'entreprise avec les interlocuteurs qui existent. Sixième point, les relations inter-entreprises. C'est très important. Il y a la relation entre les grands groupes et les PME-TPE. On a abordé un seul point qui est important, on aurait pu en aborder d'autres, notamment que les grands groupes soient responsabilisés pour assumer les frais de recouvrement de leur retard de paiement avec une clause optionnelle de ce qui s'appelle l'affacturage inversé, c'est-à-dire c'est le grand groupe, enfin le donneur d'ordre, qui a à sa charge l'affacturage. Et puis, concernant les délais de paiement, dont on a parlé tout à l'heure, il s'agit, et les entreprises nous ont fait une proposition beaucoup plus réaliste, d'avoir une approche globale et graduelle en combinant une palette d'outils pour une politique de dissuasion efficace dans la durée et d'envisager seulement sur cette base une diminution progressive du délai légal de 60 à 30 jours du délai légal maximal de paiement inter-entreprise, mais de façon progressive. L'international et l'Europe. Alors, un mot sur la Banque Centrale Européenne. Parce que en réalité, elle donne aussi le là de ce que font les banques. Elle donne des liquidités aux banques,
en contrepartie des liquidités qu'elle donne aux banques, quand les banques ont besoin de liquidités, les banques lui donnent des titres de crédit comme garantie. Et donc, il est tout à fait possible, ça s'appelle le refinancement du crédit bancaire. Ces liquidités, la BCE les prête aux banques actuellement à ce fameux taux de moins 0,14%. Il est tout à fait possible d'avoir une marge d'action intelligente pour que la Banque Centrale Européenne sélectionne dans ce refinancement les crédits qui appuient les PME-TPE porteuses du développement qu'on pense efficace en termes d'emploi, de valeur ajoutée. Parce qu'il y a une latitude sur les critères de sélection des types de crédits en garantie dans les récentes décisions de la Banque Centrale Européenne. Nous avons auditionné la Banque Centrale Européenne là-dessus. Il y a les normes prudentielles internationales et nous pensons que c'est important que le sujet des PME-TPE soit dans toutes les négociations de Bâle. Enfin, le fameux quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, les milliards d'euros, 80 milliards créés chaque mois par la BCE, sur lequel notre Assemblée s'est souvent prononcée. Et il est concerné par le volet PME du plan Juncker. Hein, le plan Juncker annonce 100 milliards d'euros dédiés aux PME-TPE d'ici 2020. Eh bien, ils doivent être financés par la Banque Européenne d'Investissement. Une partie peut être appuyée par le quantitative easing qui viendrait appuyer la Banque Européenne d'Investissement. Là aussi, les marges de manœuvre existent à condition que les choses soient capées, limitées et les montants annoncés à nos partenaires, comme on a pu en discuter avec les gens que nous avons auditionnés. Et puis, deux éléments importants, des recommandations sur les PME en difficulté, avec le CODEFI, dont il faut, qui est le comité départemental d'examen des problèmes de financement, dont il faut renforcer à la fois la visibilité et les moyens financiers et humains. Et puis, les dispositifs de convention de revitalisation des territoires en lien avec l'emploi, dans lequel la question PME-TPE doit apparaître comme une des priorités parmi les autres, parce qu'il ne s'agit pas seulement que derrière les conventions de revitalisation, on fasse uniquement des aides à l'emploi, mais aussi une activité nouvelle impulsée si elle crée des emplois. Toujours ce critère d'emploi qui est important. Enfin, l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de deux choses, étendre aux entités de l'ESS tous les dispositifs relatifs au financement dont bénéficient les autres PME-TPE, et pour les associations, notamment celles qui sont employeuses, faire de façon souple, c'est expliqué dans l'avis, que 50% d'une subvention votée par une collectivité locale pour une association soit versée avant le 31 mars de l'année concernée. C'est quand même une question de trésorerie qui est importante pour l'association. Alors voilà donc, mes chers amis et collègues, Monsieur le Président, chère Hélène, les constats et recommandations de l'avis que la section économie-finance propose à votre vote. Je vais encore une fois remercier tous les membres de la section pour le travail qu'ils ont apporté, qui permet la richesse de cet avis, qui est bien évidemment parfois technique. Ceci dit, les recommandations de l'avis sont pour un certain nombre plutôt opérationnelles et précises. Elles peuvent permettre d'éclairer positivement et de façon constructive, nous pensons, l'action des pouvoirs publics et le sens de cette action en faveur du tissu profond de PME, de TPE de notre pays, dans sa diversité, et pour un réel progrès dans le couplage des PME-TPE avec le système de financement et le système bancaire. Elles peuvent conforter ces propositions, l'efficacité de l'offre, du tissu économique de PME-TPE, le développement de leur emploi, et généraliser leur transition numérique et écologique, appuyer celle-ci. Elles peuvent aussi, je crois, conforter les banques dans leur rôle économique et social majeur et incontournable, à savoir celui de l'évaluation des projets économiques et de l'accompagnement de la réussite de ces projets. Bref, conforter et redonner tout son sens à ce que j'ai appelé tout à l'heure la poignée de main visible du banquier. Alors, un tout petit mot d'optimisme avant de conclure. L'avis reprend dans une annexe les avis précédemment émis par le CESE sur les PME-TPE, pardon, les préconisations. L'exercice est particulièrement intéressant. Il y a trois types de préconisations. Les plus anciennes, on constate qu'elles sont plutôt entrées dans les faits. Les intermédiaires, elles commencent à être entrées dans les consciences, pas tout à fait dans les faits pratiques. Et puis les plus récentes, elles sont souvent reprises de façon récurrente par le CESE, voire précisées, notamment ici. Et comme quoi, nos avis peuvent, je l'espère, participer d'une amélioration réelle et effective de fonctionnement de notre société, de notre économie. Je vous remercie. Je remercie donc Monsieur le rapporteur et je vais appeler Monsieur Philippe Musso
pour le groupe de la CFDT. Monsieur le Président, chers collègues, l'apport des TPE-PME dans la richesse économique et sociale en France n'est plus à démontrer. Il est également essentiel pour l'emploi et la revitalisation des territoires. Pour que ces entreprises puissent se développer, créer des emplois et relever les défis tels que la révolution numérique et la transition écologique, le recours au crédit est indispensable. La situation actuelle est contrastée. La masse des crédits accordés a progressé depuis 2008. Pourtant, l'investissement matériel des PME-TPE recule régulièrement. Autre constat inquiétant, l'insécurité des financements de trésorerie due à la réticence des banques à maintenir des découverts autorisés et aux délais de paiement trop longs. Une situation suffisamment préoccupante pour que le CESE fasse entendre ses propositions. La CFDT a souhaité contribuer à un avis qui, partant d'un constat partagé entre, d'un côté, la réalité des chiffres, de l'autre, le ressenti de certains entrepreneurs, soit porteur de préconisations utiles, réalistes et axées sur le sujet traité. Les écueils furent nombreux et firent l'objet de nombreux débats. Pour autant, nous partageons certaines orientations. Nous pensons notamment au rôle des interlocuteurs des TPE-PME, les banques, experts comptables, chambres consulaires, avocats, etc. Ils pourraient, en conjuguant leurs efforts d'accompagnement, de formation et d'information, lever certains freins mis en avant par les entrepreneurs, notamment le manque de disponibilité en temps, l'inexpérience en matière financière, les lourdeurs administratives. En complément à leur rôle de financeur, les banques doivent s'impliquer davantage dans celui de conseil. Cette mission devrait se situer à même niveau de qualité que celle exigée pour leurs clients investisseurs. La CFDT reconnaît aussi la nécessité de mobiliser davantage de financement pour le développement des TPE-PME. Des incitations fiscales au fléchage de l'épargne vers des fonds dédiés ou l'abondement par des ressources publiques de fonds d'amorçage contribuerait à créer des opportunités pour les entreprises et à faire, comme BPI France, levier pour que les banques accordent leur concours. À souligner également les préconisations pour soutenir les cautions mutuelles, pour diminuer les délais de paiement ou inciter des dispositions d'affacturage inversé dont la charge serait portée par le client en retard de paiement. Mais la CFDT ne soutient pas certains points importants de cet avis. Elle l'a exprimé lors des débats et formalisé par l'expression de dissensus sur deux points. Premier point, le financement de certaines mesures par des budgets consacrés aux allègements de cotisations sociales ou au CICE. Deuxième point, la création d'un pôle public bancaire réduit, suite à notre amendement, à une mise en réseau de BPI France redéployée et de la Banque Postale. À noter d'ailleurs que les dirigeants comme les représentants des salariés n'ont jamais été auditionnés pour connaître leur position sur ce sujet. Ces deux sujets importants méritent mieux que d'être traités au détour d'un avis. La CFDT considère que certaines préconisations sont inopérantes, parfois éloignées du sujet principal de la saisine, et en réduisent considérablement la portée. Tout en reconnaissant le travail fourni et l'intérêt de certaines pistes de réflexion, s'il vous plaît, la CFDT ne votera pas cet avis. Madame Véronique Biernex-Roche, pour le groupe CFE-CGC. Alors que le monde de l'emploi traverse des turbulences incessantes, favoriser le financement des TPE et des PME devient une nécessité absolue, voire une mission d'intérêt général. Même si les banques sont des entreprises qui doivent dégager des bénéfices,
Il n'en reste pas moins qu'elles ont un rôle fondamental d'acteurs du développement économique et territorial. Parallèlement, le groupe CFE-CGC recommande que la formation initiale et surtout la formation continue soient renforcées pour les entrepreneurs et pour les conseillers financiers. Il n'en demeure pas moins que le maintien et le développement des emplois de qualité passeront par un financement simplifié de ces TPE et PME et de la mise en place d'un guichet unique dans chaque territoire, car les dispositifs de financement sont nombreux. Le groupe CFE-CGC soutient fortement la préconisation de faire du développement des PME et des TPE l'une des priorités du dispositif des conventions de revitalisation des territoires en lien avec l'emploi. La CFE-CGC soutient la volonté exprimée dans l'avis d'associer les instances représentatives du personnel sur les informations induites par la loi du 1er mars 1984. La CFE-CGC a toujours considéré que les intérêts des employeurs et des salariés doivent converger au sein de l'entreprise. La création de valeur ajoutée et le partage des richesses sont un bien commun. Pour le groupe, cet avis constitue un ensemble de propositions concrètes sur le financement des PME et des TPE qui les aideront à se développer et par conséquent à la création et au maintien d'emplois de qualité. La CFE-CGC tient à souligner que cela doit être l'affaire de tous les acteurs économiques, y compris l'État et les collectivités territoriales, qui doivent prendre leurs responsabilités quant à la problématique des délais de paiement. Le groupe CFE-CGC votera le rapport en espérant que ces préconisations ne resteront pas une simple lettre d'intention. Monsieur Joseph Touvenel, pour le groupe de la CFTC. Monsieur le Président, mes chers collègues, les petites et les moyennes entreprises créent de la richesse, du dynamisme, de la réactivité. Elles vivifient les territoires, donc l'emploi, apportent de la proximité et de l'inventivité. Elles sont bien plus qu'un complément indispensable aux grandes entreprises. La vie, en rappelant qu'elles sont un levier majeur pour créer des emplois sur tout le territoire national, pose clairement la problématique. Comment orienter l'activité bancaire et la finance vers l'appui à l'activité réelle, efficace, porteuse d'emplois et de valeur ajoutée. Pour atteindre ce but, différentes recommandations sont formulées, comme la modulation à la baisse de l'impôt sur le résultat des PME-TPE en cas d'affectation de celui-ci en fonds propres à des fins d'investissement productif porteur d'emplois, l'orientation d'une partie des fonds et des réserves de l'assurance vie, de l'épargne solidaire et de l'épargne salariale vers le financement des PME-TPE, la valorisation de la mission conseil de gestion ou dirigeant d'entreprise par les experts comptables. La CFTC soutient ces recommandations. L'avis insiste à juste titre sur l'importance de la transformation numérique et sur l'investissement immatériel via notamment les financements de BPI France. Le renforcement et l'amélioration du métier de conseil bancaire au TPE est également abordé, y compris sous l'angle de la formation, de la stabilité et de la proximité du personnel bancaire. La CFTC tient à souligner la nécessité inscrite dans l'avis de lutter contre les délais de paiement trop longs. Si la situation s'est améliorée depuis la loi de modernisation de l'économie de 2008, ceux-ci restent excessifs et se sont même dégradés depuis 2 ans au préjudice des PME-TPE. Cette situation pèse lourdement sur les trésoreries des petites entreprises, mettant celles-ci en péril ou bridant leur développement. Il y a nécessité à responsabiliser les grands groupes et l'État sur ce point. Comme le propose l'avis, les grands groupes responsables de ces délais doivent assurer au minimum les frais de recouvrement engendrés par leur retard de paiement. Il appartient au pouvoir public de faire respecter les obligations légales en la matière. Il en va de la sauvegarde et de la création de nombreux emplois dans nos PME-TPE. S'il n'est de richesse que d'hommes, comme le disait l'économiste Jean Bodin, il n'est de prospérité sans entreprise à visage humain, ce que sont nos PME-TPE. Vous l'avez compris, le groupe CFTC votera l'avis. Merci. Monsieur David Meyer, groupe CGT. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la France peine à retrouver une économie dynamique, porteuse d'innovations technologiques, sociales et créatrices d'emplois pérennes. Dans ce contexte, les TPE-PME
sont présentés comme un levier important d'attractivité des territoires. Mais malgré un fort dynamisme de création d'entreprises, le développement de ce TPE-PME, notamment en matière d'investissement et d'emploi, reste faible. Le présent avis visait à traiter plusieurs défis ambitieux s'agissant de ce type d'entreprise. Les nombreuses auditions ont permis la constitution d'un état des lieux exhaustif et pédagogique des réalités et des dispositifs existants. L'avis aborde la problématique du financement au sens large et se concentre sur le crédit bancaire, qui reste de loin la principale source de financement de ces entreprises. Les indicateurs statistiques bancaires illustrent une amélioration des conditions de crédit, mais la perception des nombreux acteurs auditionnés, particulièrement les entreprises de plus petite taille, demeure très différente et met en avant les barrières et les difficultés importantes pour obtenir ces financements, pour leur développement et leur modernisation. Ce constat s'inscrit dans la continuité des préconisations de notre Assemblée. Le rapport annuel sur l'état de la France en 2015 recommandait déjà de favoriser l'accès au crédit des TPE et PME, en mentionnant la frilosité des banques et le découragement des entreprises. L'avis caractérise ces contraintes. Chaque année, les refus de crédit concernent des dizaines de milliers de PME et d'une fourchette comprise de 700 000 à 1 million de TPE. Malgré la baisse générale des taux, les flux d'encours de crédit aux TPE recule en 2016, et le coût du crédit pour ces dernières est supérieur en moyenne d'un point aux autres entreprises. D'autre part, les charges financières au sens large, c'est-à-dire le coût du capital, s'élèvent en moyenne dans une fourchette jusqu'à 40% de leur profit brut. Les travaux de la section ont légitimement fait l'objet de débats intenses, moins légitimement parfois, de positions dogmatiques qui nuisent au fondement à la qualité des travaux qui forgent l'ADN de notre Assemblée auquel nous sommes tous attachés. Au final, cet avis contient des préconisations pragmatiques et opérationnelles. Cependant, la CGT aurait préféré que certaines préconisations plus innovantes, qui constituent des leviers pour une autre efficacité économique et sociale, fassent l'objet d'un consensus plus large, comme la réduction des délais de paiement à 30 jours, la modulation à la baisse de l'impôt sur les résultats en cas d'affectation de celui-ci à des fins d'investissement productif porteurs d'emploi, une amélioration de l'action publique et des institutions financières publiques avec la création d'un pôle public bancaire ou la création de fonds régionaux et d'un fonds national pour faire levier sur le crédit bancaire. Pour répondre à ces défis, un changement de paradigme est urgent. La CGT votera cet avis qui constitue en ce sens un certain pas. Merci. Merci. Monsieur Serge Lagonia, de CGT-FO, du groupe CGT-FO. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, notre Assemblée a abordé à maintes reprises la question des TPE et des PME, marquant ainsi son attachement à leur développement. Le groupe FO partage totalement cette préoccupation, car l'ensemble des TPE et des PME représente une force économique et sociale importante et donc un gisement potentiel d'emploi non négligeable. Elle représente en nombre la quasi-totalité des entreprises françaises, près de la moitié de l'emploi du secteur marchand et environ un tiers de son chiffre d'affaires. Si comparaison n'est pas raison, force est de constater qu'outre Rhin, les efforts communs des différents acteurs politiques et financiers sont plus complets, plus accessibles et plus efficace. À l'instar de notre voisin, tout doit être mis en œuvre tant en mode de financement qu'en accompagnement en lien avec les collectivités locales qu'avec l'aide de BPI France, notamment. Pour autant, le rôle des banques en matière de financement de l'économie reste prépondérant et les groupes FO réaffirment la nécessité de réorienter les flux financiers vers l'économie réelle plutôt qu'à but spéculatif. Nous soutenons tout particulièrement les préconisations recommandant de faire levier sur le crédit bancaire avec des fonds régionaux de garantie et la généralisation du prêt croissance TPE proposé à titre expérimental par BPI France. D'autre part, nous estimons que les projets des programmes d'investissement d'avenir devraient être plus accessibles pour les TPE, notamment afin de faciliter leur modernisation. Les questions de la réduction des délais de paiement ainsi que celles des relations
donneurs d'ordres sous-traitants reste prioritaire. Concernant les mesures d'aide fiscale, le groupe EFO tient à rappeler la nécessité de mettre à plat l'ensemble du dispositif fiscal afin d'en évaluer l'efficacité et de les conditionner à leur impact productif en matière de développement et d'emploi. Comme le souligne le projet d'avis, le développement et la croissance des TPE et PME françaises passent par des mesures de facilitation d'accès au financement, mais aussi par un accompagnement concret et précis de la part des acteurs territoriaux, notamment en matière de formation. Le groupe EFO votera positivement l'avis. Merci. Madame Véronique Blin, du groupe Coopération. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Frédéric, nos coopératives sont dans leur très grande majorité des PME-TPE. Grâce à leur activité économique non délocalisable, elles jouent un rôle important pour le développement de l'économie locale. Présentes sur l'ensemble des territoires, elles sont souvent parmi les premiers employeurs de leur bassin d'emploi. C'est le cas, par exemple, de nos coopératives agricoles en zone rurale. Face à la persistance du chômage de masse, adapter le financement au développement des PME-TPE aux différentes étapes de leur vie, création, développement, transmission ou reprise, c'est un enjeu majeur. Cela renvoie également à l'articulation entre fonds propres, crédit bancaire, épargne, investissement au sens large. Outils anciens, outils développés par les fédérations des coopératives ou du secteur de l'ESS, outils innovants, la panoplie des modes de financement s'étoffe pour les coopératives. L'acculturation des banques à nos structures coopératives a bien progressé, d'autant plus que le secteur bancaire français est marqué par la force du réseau mutualiste. Depuis fin 2015, l'accès au crédit, tous secteurs confondus, est globalement bon, même si le projet d'avis pointe un certain décalage entre les chiffres et la réalité. Bien sûr, les prêts bancaires sont par nature à terme limité dans le temps. Ils ne permettent pas forcément de financer les investissements de très long terme ou la prise de risque, ni même parfois d'accompagner les entreprises en période de crise. Or, dans nos entreprises coopératives, sociétés de personnes, les besoins sont importants en termes de fonds propres. Ils le sont aussi en matière d'innovation. Ainsi, le projet d'avis insiste-t-il avec pertinence sur les défis liés à la révolution numérique, informaticielle ou écologique. Enfin, les besoins sont également réels et nombreux en matière d'exportation. Des alternatives ou des compléments aux prêts bancaires visant plus particulièrement le financement du haut de bilan sont donc à favoriser. Les entreprises, spécialement celles de plus petite taille, demandent à être considérées dans leur grande diversité. L'égalité de traitement effective dans l'accès des coopératives aux outils financiers pour les PME et TPE est pour nous une priorité. Nous sommes satisfaits que le CESE recommande d'étendre à l'économie sociale et solidaire tous les dispositifs dont bénéficient les autres entreprises, que cela concerne la BPI ou le CICE. Enfin, pour terminer, comme le souligne le projet d'avis, assurer une réelle prise en compte du financement des petites et moyennes entreprises constitue également un enjeu européen et international, et ce, notamment dans le cadre des travaux sur les normes bancaires, qui doivent tenir compte de la diversité du monde entrepreneurial. Cher Frédéric, nous te remercions pour le travail conséquent accompli au sein de notre section, et le groupe de la coopération votera en faveur de ce projet d'avis. Merci. Monsieur François Asselin, du groupe des entreprises. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les conseillers, je ne sais pas pourquoi mes collègues chefs d'entreprise m'ont choisi pour être le porte-voix, mais il y a trois choses, vous savez, qui fait qu'un chef d'entreprise, surtout de PME, de TPE, dort comme un bébé. C'est l'ambiance de sa boîte, le niveau de son carnet de commandes et l'état de sa trésorerie. Donc, merci, cher Frédéric, de s'occuper de notre sommeil, puisque, bien souvent, ces trois facteurs sont rarement au vert en même temps. Malheureusement, et malgré cet exposé
très intéressant, je vais commencer à inquiéter mes amis chefs d'entreprise, cet avis est celui des occasions manquées. Je pense qu'il s'agit plus d'un problème de rentabilité qu'un problème de financement, car contrairement à l'idée largement répandue, les entreprises en France n'ont pas de problème global de financement. En ce qui concerne le haut de bilan, l'offre financière est suffisante à l'heure actuelle, ce qui n'empêche évidemment pas les cas particuliers ou les situations difficiles. D'ailleurs, l'avis ne comporte aucun chiffre précis qui laisserait penser que la recherche de financement est un problème urgent ou massif. Par contre, effectivement, des progrès peuvent être faits dans le domaine de la trésorerie, qui est un souci récurrent pour les chefs d'entreprise. Ceci dit, des acteurs de terrain se sont déjà saisis de ce problème et l'avis présenté ne fait aucune préconisation sur ces questions. À partir d'un sentiment plutôt diffus et non étayé, l'avis fait des préconisations imprécises et que nous considérons comme discutables, voire contestables. Par exemple, la proposition de moduler à la baisse l'impôt sur le résultat des PME-TPE en cas de réinvestissement du résultat dans des investissements productifs et porteurs d'emplois est un non-sens. Les résultats remontés en fonds propres feront l'investissement de demain et la sauvegarde ou la création d'emplois d'après-demain. La pérennisation de l'entreprise répond à une temporalité qui n'est pas toujours celle de l'exercice en cours. D'autre part, comment déterminer le caractère productif et porteur d'emploi d'un investissement? Quels critères retenir? Je vous laisse imaginer les difficultés administratives, voire en termes de passage de la patrouille par rapport à cette proposition. Il est proposé un nouveau fonds de bonification de garantie dédié aux PME et TPE pour orienter les crédits bancaires vers plus d'emplois et d'efficacité. La modulation d'un taux de crédit selon que les investissements réalisent plus d'emplois est impossible. C'est une impasse qui tournera au cauchemar bureaucratique. Au risque de se répéter, le groupe des entreprises réaffirme que le CICE n'est pas un cadeau fait aux entreprises, mais une nécessité pour redevenir compétitif, tout en sachant que la pression fiscale sur les PME-TPE reste encore l'une des plus élevées d'Europe. Dans le même esprit, lorsque l'avis recommande de changer la dimension de BPI France pour viser l'ensemble des TPE et promouvoir une autre sélectivité du crédit, nous pensons que, outre, il y aurait sans doute était opportun de demander aux principaux intéressés leur avis sur la question, mais une telle mastodontisation de BPI France n'est pas souhaitable. Tout cela pour vous dire que si être indifférent, eh bien, c'est grave. Je vous remercie parce que vous avez été bienveillant et très sincèrement, cela fait plaisir que vous pensiez aux PME et TPE. Néanmoins, ne pas être d'accord, c'est la vie. Et pour les raisons que je viens de vous exposer, le groupe des entreprises, avec toute élégance, comme le Premier ministre l'a fait, ne votera pas cet avis. Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Junic, pour le groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de section, mes chers collègues, le potentiel de croissance de notre pays réside indéniablement dans ce précieux tissu des TPE et PME qui assure la vitalité de nos territoires, mais surtout qui permettront demain de dessiner la France de demain et également ses activités ainsi que ses filières d'activités qui seront précieuses pour notre pays. Nous le voyons bien, parce qu'elles ont une responsabilité et une utilité sociale forte, l'accès au financement demeure un enjeu majeur pour elles. Or, le constat est clair. Une petite entreprise n'est pas une grande entreprise en modèle réduit. C'est au fond ce que nous dit très fréquemment François. Et je partage le fait que la réalité nous amène à constater qu'on confond parfois petite et grande entreprise. Et le constat éclairant que nous a présenté notre rapporteur est de ce point de vue important. Les TPE comme les PME doivent généralement faire face à des taux d'intérêt plus élevés que les grandes entreprises et les conditions de crédit sont souvent plus restrictives. Or, nous le savons bien, ce tissu des TPE et PME contribue à ouvrir de nouvelles perspectives vers une croissance plus durable et inclusive, notamment grâce au rôle qu'elles jouent en matière de développement, de dynamique d'innovation et de création d'emplois. Néanmoins, elles ne peuvent remplir ce rôle que si elles obtiennent les financements nécessaires pour lancer et développer leurs activités, notamment, comme le souligne le projet d'avis, en matière de transformation numérique et de transition écologique qui nécessitent des dépenses immatérielles dont le financement est encore moins accessible. Nous savons tous, les mutuelles, les coopératives, de grandes associations sont aujourd'hui des TPE-PME.
Et c'est pourquoi le groupe de la mutualité se félicite de la prise en compte par le rapporteur de ce qu'est la spécificité du secteur de l'ESS, qui représente plus de 200 000 entreprises, dont une grande part, je le souligne, sont des TPE, qui emploient 2,4 millions de salariés, concilient performance économique et utilité sociale. Et ce secteur est particulièrement créateur d'emplois. Vous le savez, depuis 2010, alors que l'emploi dans le secteur marchand privé a augmenté de 7%, l'emploi dans les entreprises du non lucratif a augmenté de plus de 20%. Mais si les entreprises de l'ESS n'ont pas d'actionnaires et respectent un encadrement strict de l'utilisation des bénéfices, il n'empêche qu'elles ont des besoins en matière de financement pour se développer, et en particulier pour conforter leurs projets d'innovation sociale. Les entreprises de l'ESS ne sont pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, elles sont les entreprises. Aussi, la proposition d'étendre aux entités du secteur non lucratif tous les dispositifs relatifs au financement dont bénéficient les TPE-PME est accueillie très positivement par le groupe de la mutualité. La loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et la mise en place de certains outils et de nouveaux soutiens financiers publics, notamment via BPI France, sont des signaux positifs. Pour autant, un accompagnement des projets renforcés, une meilleure territorialisation des financements sont deux conditions indispensables pour faciliter le financement des TPE-PME, qui seront indéniablement favorables au développement de celles-ci pour l'emploi et l'efficacité. Plusieurs préconisations du projet d'avis visent à favoriser et améliorer les relations banque-entreprise, à renforcer les liens de proximité sur les territoires. Bref, il y a la possibilité de construire à partir des préconisations de notre conseil un certain nombre de relations durables avec notre tissu des TPE-PME. C'est pourquoi le groupe de la mutualité votera cet avis. Je vous remercie. Merci. Monsieur Antoine Dulin, pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse, et pour le groupe Environnement et Nature. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, on ne le répétera jamais assez, les PME et les TPE représentent plus de 3 millions d'entreprises et 48% de l'emploi salarié. Il est bon de rappeler le rôle et la part de ces entreprises dans l'économie française, qui se sentent souvent délaissées ou incomprises par les pouvoirs publics. En cette période de débat électoral, il convient à l'ensemble du personnel politique de construire des propositions pertinentes avec l'ensemble des acteurs concernés pour permettre aux PME et aux TPE de jouer pleinement leur rôle dans les transitions que connaissent aujourd'hui la France et l'Europe. Les propositions du projet d'avis vont dans ce sens et elles sont opérationnelles. Merci aux rapporteurs et à la section. Pour le groupe Environnement Nature et celui des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, ces entreprises jouent entre autres deux rôles essentiels. Celui de la transition écologique. Ces entreprises sont en effet les fers de lance de cette transition et représentent bien, dans des secteurs aussi variés que la rénovation thermique des bâtiments, les nouveaux modes de transport ou les énergies renouvelables, l'immense potentiel de cette nécessaire mutation de notre économie. Elles jouent aussi un rôle pour l'insertion professionnelle des jeunes. À ce titre, les PME et TPE jouent effectivement deux rôles. Désolé de la répétition qui n'était pas prévue. Elles sont parmi les premiers recruteurs de jeunes, notamment dans les territoires. Près de 2/3 des jeunes trouvent leur premier emploi dans une entreprise de moins de 50 salariés et près d'1/3 dans une entreprise de moins de 10 salariés. Deuxièmement, elles permettent l'émergence de jeunes entrepreneurs qui construisent des projets innovants à travers des start-up ou des TPE. En 2015, presque 1/3 des micro-entrepreneurs avaient entre 20 et 26 ans. Mais pour remplir ces rôles, le financement de ces entreprises doit être diversifié et plus accessible. Et cet avis propose plusieurs recommandations que nous soutenons. Pour nos deux groupes, 3 recommandations sont essentielles. L'orientation d'une partie des fonds et des réserves de l'assurance vie et de l'épargne vers ces entreprises, mais aussi le développement du financement participatif. Le renforcement du rôle de BPI France en leur faveur et une plus forte mobilisation pour les acteurs du secteur de l'ESS. Et la recommandation de moduler à la baisse l'impôt sur le résultat dans certains cas. Nous aurions aussi pu aller plus loin, notamment sur le rôle et la responsabilité essentielle des banques dans l'accès au crédit, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Les jeunes qui n'ont pas travaillé, par exemple, n'ont pas accès au chômage et doivent avoir un nombre important de garants, pour accéder au crédit. Les femmes, quant à elles, sont victimes de discrimination et subissent plus que les hommes le manque de confiance des investisseurs, comme l'a montré dernièrement un colloque dans cette assemblée de l'association Empower. D'autre part, nous aurions pu aussi creuser également la réorientation des dispositifs fiscaux tels que le CICE vers les PME-TPE ainsi que vers la transition écologique dont elles sont motrices. Plus largement, nous aurions souhaité des préconisations plus claires sur la question de la transition écologique.
en rappelant notre attachement à une politique économique au service de l'emploi, du développement durable des territoires, de la préservation de l'environnement et de l'émancipation de la jeunesse, nos groupes voteront pour le présent avis. Merci. Monsieur Jean-Étienne Antoinette, du groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les PME-TPE pèsent autant que les grandes entreprises dans l'économie française. Au-delà de la création d'emplois, elles jouent un rôle important en matière d'aménagement de nos territoires et dans la valorisation du savoir-faire français. Au-delà de la démographie des entreprises, les Outre-mer ne font pas exception à la place prépondérante qu'occupent les PME et davantage les TPE dans nos collectivités. Le taux de création d'entreprises est plus rapide et plus soutenu que l'Hexagone, car la création d'entreprises est une réponse pour pallier le manque d'emplois salariés dans nos régions d'outre-mer. Mais leur durée est courte et les freins permettant leur développement et leur expansion demeurent cependant et encore trop nombreux. Ces verrous sont clairement identifiés. Il s'agit notamment du coût du crédit plus élevé dans les outre-mer, de la faiblesse de la microfinance, de la frilosité des pouvoirs publics à mettre en place certaines zones franches sectorielles pour aider nos filières prioritaires, de la dégradation plus importante des délais de paiement, des conséquences de l'autonomisation des filiales bancaires qui se répercutent sur leur coût de refinancement et in fine sur le coût du crédit, ou encore de la concurrence des entreprises des pays avoisinants avec des coûts de production particulièrement bas. De plus, l'accès au marché public et le manque d'accompagnement fragilisent davantage leur situation. Voilà succinctement la somme des enjeux auxquels les PME, TPE ultramarines sont confrontées, mais la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre, comme le disait si bien Beaumarchais. En attendant le changement de modèle économique nécessaire, transformant nos économies de comptoir en régions productives que certains appellent de leurs vœux, cet avis met en lumière les priorités permettant de renforcer notre tissu productif. Au regard du besoin de proximité, l'existence des correspondants TPE mis en place par la Banque de France ou dans les directs est insuffisante. Par ailleurs, l'organisation des conférences annuelles doit non seulement servir à enrichir l'information, mais surtout doit apporter des solutions aux besoins quotidiens des entreprises. En outre et dorénavant, les collectivités devront être les interlocutrices privilégiées entre les PME-TPE et le secteur bancaire. Enfin, c'est en donnant toute sa place aux BPI que nous dynamiserons davantage notre tissu économique dans nos territoires, notamment dans la reprise des créances des établissements publics afin de raccourcir les délais de recouvrement. À l'heure où des consultations électorales importantes vont influencer le destin de la société française, le travail de notre section est un formidable outil permettant de nourrir le débat. Le groupe de l'Outre-mer remercie le rapporteur pour sa disponibilité et l'entretien qu'il a organisé avec l'IEDOM pour éclairer cet avis. Le groupe de l'Outre-mer votera l'avis. Merci. Madame Stéphanie Goujon, du groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le Président, chers collègues, cher Frédéric, chers internautes, le présent avis souligne l'importance des TPE dans notre pays. 50% de la richesse et des emplois créés, c'est considérable. Et au-delà du quantitatif, leur impact le plus souvent local permet de réduire les fractures et inégalités sur le territoire. En ces temps agités, où avec Internet les exclus ont fenêtre avec vue sur les inclus, je cite Nicolas Hulot, assurer un développement territorial harmonieux, c'est un enjeu prioritaire. Alors, comment mieux les financer, les pérenniser, les aider à se développer nos petites et moyennes entreprises? L'avis souligne le besoin d'une vision renouvelée de l'investissement. Je souhaite donc, dans cette intervention, donner un coup de projecteur sur l'interprétation possible et souhaitable de ce que peut signifier une vision renouvelée de l'investissement et qu'on appelle l'investissement responsable.
Il est d'ailleurs évoqué dans le présent avis et mériterait d'être creusé comme un levier stratégique pour financer nos PME. Si le concept est d'origine anglo-saxonne et que nous devons plus précisément aux Quakers qui refusaient d'investir dans le tabac, l'esclavage et la prostitution, c'est déjà ça, la conception française de ESG, Environmental Social Governance, est plus proactive. En effet, elle identifie les meilleurs de la classe dans chaque secteur sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quelques exemples, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en place du dialogue social ou la mixité homme-femme, ou encore la présence d'un comité de vérification des comptes. Ce qui, à mes yeux, devrait tout simplement être un prérequis à n'importe quel investissement, mais c'est un autre débat. Longtemps réservé aux institutionnels, le label Investissement responsable est ouvert au public depuis fin 2015. Ce label ISR public doit permettre de donner une nouvelle visibilité aux fonds ISR auprès des épargnants particuliers. Alors, aidons-le à changer d'échelle et à l'orienter vers les petites et moyennes entreprises. Rendons-le encore plus lisible et appropriable en poussant par exemple certains critères d'impact sur le territoire. Car le particulier est plus sensible, se sent plus facilement responsable de ce qui se passe autour de lui en matière d'activité, d'emploi, de respect de l'environnement qu'au fin fond de la province du Guangdong. Les journalistes économiques déploraient il y a une dizaine de jours la disparition de la veuve de Carpentras qui déserte le CAC 40. Pourtant, les mentalités ont changé et sont propices aux modes d'investissement en circuit court et pour des projets à ancrage local, comme en témoigne le succès du crowdfunding. Alors, faisons-la revivre, cette veuve de Carpentras, avec des fonds ISR clairement tournés vers les PME. Ramenons-la dans le jeu financier, mais pour qu'elle investisse à Carpentras, justement. Merci de votre attention, je voterai cet avis. Monsieur Daniel Julien Noël. Le groupe des professions libérales. Les professions libérales représentent 1 million d'entreprises libérales composées et composent 98% des TPE. Comme toute entreprise, leur besoin de financement est une préoccupation au cœur de leur activité et de leur développement, mais elles sont confrontées aux mêmes difficultés que la majorité des TPE-PME, rendant difficile leur accès au crédit classique, soit par insuffisance de fonds propres ou par des délais de règlement encore trop longs. Des mesures ont été prises pour résorber ces maux français, mais elles demeurent insuffisantes, comme l'illustre la diminution du délai de paiement de 30 à 60 jours qui a entraîné à nouveau de nouvelles dérives. Les alternatives au financement classique existent et les TPE-PME sont de plus en plus nombreuses à y recourir car elles comblent en partie leurs besoins de financement. Nous pouvons notamment citer trois d'entre elles, le système de crédit alternatif au système bancaire, dont le crowdfunding, les nouvelles garanties bancaires, dont celles de BPI France ou des branches professionnelles, et enfin l'échange inter-entreprise ou barter, permettant d'accéder à un réseau collaboratif d'entreprises afin de financer certaines dépenses sans sortie de trésorerie. Le rapport met en lumière une certaine forme d'autocensure dans la demande de crédit par les dirigeants des TPE-PME. Anticipation de refus, lourdeur administrative ou difficulté à présenter des dossiers auditables par les banques sont souvent la cause de cette autocensure. Toutes les enquêtes évoquées, CIAJ, OpinionWay, baromètre KPMG, CPME, convergent vers un tel constat. Aussi, pour le groupe des professions libérales, il convient de vaincre ces inhibitions. Selon nous, BPI France est l'un des acteurs majeurs dans le financement des TPE-PME. Il faut donc lui donner de l'ampleur afin qu'elle remplisse pleinement son office pour les TPE. BPI France a un véritable rôle d'effet de levier à jouer, notamment à partir des apports de garantie pouvant être donnés pour faciliter l'accès au crédit bancaire. Le modèle de développement n'est pas unique pour toutes les TPE-PME. Il varie d'une entreprise à l'autre, et ce, même au sein d'un même secteur. Les besoins sont donc différents, et il est indispensable de conserver la variété des modes de financement, tout en favorisant l'investissement par des mesures fiscales, ainsi que le financement de proximité. Les Français sont très attachés à leur territoire, et ils veulent garder leurs entreprises à taille humaine, proches de chez eux. Les TPE-PME contribuent au développement économique territorial et elles sont un important vivier de croissance et d'emploi.
emplois de proximité. Ces emplois sont non délocalisables et contribuent à assurer le lien social. Leur financement est vital. Le groupe des professions libérales votera l'avis. Merci. Monsieur Patrick Chrétien, du groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la section, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le présent projet d'avis s'inscrit dans le contexte économique marqué par la transformation du travail et des activités économiques, mais aussi par la massification du chômage et du sous-emploi. Une fois ce cadre rappelé, vous mettez en avant, Monsieur le rapporteur, les potentialités des TPE-PME qui ouvrent des perspectives pour répondre aux besoins et attentes des familles vivant dans les territoires français. En effet, les PME-TPE sont clairement un levier majeur pour créer des emplois. Elles sont un outil d'aménagement du territoire. Elles permettent le développement de services de proximité nécessaires à la vie quotidienne des familles et sont capables d'adaptation rapide pour répondre à la demande. Le groupe de l'UNAF tient à faire un zoom sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, car il s'agit d'une véritable force porteuse de changement. L'ESS permet de continuer à investir d'autres façons de travailler, de consommer, de se prémunir contre les risques, de répartir la richesse créée en plaçant l'être humain au cœur de l'économie dont il doit être la finalité. Le projet d'avis pose ensuite les conditions actuelles du financement par les banques des PME-TPE pour regretter que si elles se targuent d'assurer avec efficacité un taux de financement élevé, il reste que le nombre de rejets concerne des centaines de milliers de TPE-PME. Or, le crédit est une nécessité pour la transformation et l'adaptation de l'entreprise existante, mais aussi pour la création d'entreprises, puisqu'il faut investir avant de produire. Le projet d'avis formule un nombre resserré de recommandations pour sortir de la logique actuelle de frilosité du système bancaire vis-à-vis des TPE-PME. Le groupe de l'UNAF en retient quatre plus particulièrement dans leur proximité avec la défense des intérêts des familles. La proposition d'orienter une partie de l'épargne dormante des ménages vers le financement des TPE est une piste à encourager, à condition toutefois qu'ils soient garantis de retrouver leur investissement de départ. Mieux protéger les biens propres des dirigeants et de leurs familles est essentiel pour que le partage des risques entre la banque et le créateur d'entreprise n'emporte pas une demande excessive de garantie pouvant entamer les conditions de vie de la famille de l'entrepreneur. Le groupe de l'UNAF partage la recommandation d'étendre aux entités de l'économie sociale et solidaire tous les dispositifs relatifs au financement dont bénéficient les autres TPE-PME. Enfin, nous jugeons important de renforcer la culture et la formation en gestion financière d'entreprise. Il faut aider les dirigeants ou futurs dirigeants à comprendre et à pratiquer la gestion économique de leur entreprise. C'est aussi un moyen pour rééquilibrer le rapport de force pour un partenariat entre l'emprunteur et sa banque sur le projet de création d'entreprise. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Monsieur le rapporteur, pour ce travail et votera le projet d'avis. Merci. Madame Fanny Arave pour le groupe de l'UNSA. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, si la France sait créer les conditions d'éclosion et d'installation des TPE-PME, par contre la question de leur développement, de leur croissance vers des PME de plus grande taille et plus encore des ETI apparaît plus problématique. Pour l'UNSA, les TPE-PME sont porteuses de création de valeurs réelles, d'emplois et de dynamisation des territoires, dont le développement est indispensable à notre économie. La question de leur financement est d'autant plus cruciale qu'elles auront à surmonter les défis du numérique et la transition écologique. On observe une certaine forme de polarisation des outils de portage financier vers les start-up d'une part et les grandes entreprises d'autre part, plus axées sur l'investissement en participation, en biens et équipements, et bénéficiant d'une plus grande capacité de négociation et d'attractivité vis-à-vis des institutions et organismes financiers.
Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait, dont notamment des aspects économiques comme les critères de solvabilité, les garanties demandées par les banques pour se prémunir contre le risque légitime de défaut, la difficile couverture des investissements immatériels et des besoins en fonds de roulement, mais aussi des aspects plus culturels qui sont tout autant partagés par ces entreprises soucieuses de garder le contrôle de leur développement. Nous pouvons aussi regretter que les coûts de l'immobilier obèrent également, là, dans ce secteur, les capacités contributives en investissement qualitatif de production. L'UNSA approuve l'ensemble des recommandations allant dans le sens d'une plus grande appréhension réciproque des besoins et des réalités et une plus grande connaissance des outils existants. Par exemple, les dispositifs offerts par le code dit BPI. De même, nous soutenons les initiatives portant à faire évoluer les conditions de sélectivité financière des projets, sans rompre les équilibres de sécurisation bancaire, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. La sécurisation et la coordination du parcours financier du chef d'entreprise afin d'alléger la prise de risque personnel via le recours à une société de caution mutuelle et une meilleure articulation entre les organismes financiers en sont une illustration. Par contre, nous interrogeons sur l'opportunité de cibler spécifiquement un rapprochement entre une banque plutôt orientée service aux particuliers et la BPI qui est plutôt une banque d'affaires. Une plus grande valorisation de la chaîne de création de valeur et d'activités liées à l'entreprise, y compris dans le secteur de l'ESS, est là un critère à développer. Concernant la question des politiques publiques, nous pensons à l'UNSA qu'elles ont un rôle indispensable. Certaines propositions allant dans le sens d'une plus grande orientation en faveur des TPE-PME sont ainsi incrosées par la mobilisation, l'incitation et la responsabilisation de l'ensemble des acteurs économiques et financiers. L'UNSA considère qu'il est du devoir de tous les acteurs publics et privés de s'emparer de ce sujet afin de répondre, et en qualité et en volume, aux besoins des TPE-PME et de participer de concert au partage des risques propres aux missions de chacun. Compte tenu de ces considérations, l'UNSA votera l'avis. Merci. Monsieur Daniel Éperon, pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, pour l'agriculture, la fiabilité et la bonne santé de nos petites entreprises d'amont et d'aval sont essentielles. Je tiens à rappeler ici que leur développement dépend avant tout de l'existence d'un marché. Toutefois, il est bien entendu que les modalités de leur financement peuvent déterminer la vitesse de leur croissance et leur pérennité. D'accord, okay. Le travail que nous avons mené ensemble a permis de dépasser les idées reçues, tant sur les petites entreprises que sur les établissements bancaires. Nous aurions peut-être pu mieux équilibrer notre texte en renforçant notre attention sur la situation des entreprises, sur les difficultés de leurs dirigeants, plutôt que de nous focaliser parfois trop sur le fonctionnement des banques. Nous avons toutefois apprécié la prise en compte des efforts accomplis par les banques pour améliorer la relation entre les dirigeants des entreprises et celles-ci. Vous citez en particulier le réseau de référents financement mis en Normandie. C'est une initiative qui semble très intéressante. Vous me permettrez de saisir l'occasion de cette intervention pour insister sur les trois points qui, depuis le départ, ont appelé notre vigilance. En premier lieu, sur la proposition relative au recours des garanties personnelles des dirigeants. Il est proposé que ce recours soit limité à une part du montant total de l'endettement. Il était important pour nous d'encadrer cette proposition afin de ne faire porter le risque uniquement sur le prêteur et déresponsabiliser les dirigeants. Vous en avez tenu compte dans votre rédaction. En second lieu, sur l'information publique relative aux crédits accordés aux PME-TPE. Il était essentiel pour nous de respecter les règles de confidentialité portant sur les activités de chaque établissement bancaire. Les modifications apportées au texte ont introduit cette exigence de confidentialité. Toutefois, nous aurions souhaité qu'elle soit encore plus clairement formulée. En troisième et dernier lieu, les développements relatifs à la BPI nous ont préoccupés. Pour nous, le dispositif proposé est intéressant à la condition qu'il se cantonne à l'accompagnement, que cela n'affecte pas le cadre concurrentiel avec les autres banques. Les discussions soutenues que nous avons menées dans la section sur la question de la BPI démontrent, s'il en était besoin, l'importance et la sensibilité du sujet.
Il nous paraissait nécessaire de rédiger un dissensus sur ce point. Les exploitations agricoles sont-elles des PME, TPE ? Oui, bien sûr. Peut-être faudrait-il le rappeler à la BPI. Malgré les réserves exprimées et en raison du dissensus introduit, le groupe de l'agriculture votera en faveur de ce texte. Merci. Madame Catherine Fouché pour le groupe de l'artisanat. Développer l'investissement des TPE-PME revêt une importance majeure compte tenu de leur rôle dans l'économie en termes de richesses produites et d'emplois. Il est question en effet d'assurer la pérennité sur l'ensemble du territoire, d'un tissu d'entreprises de proximité. Il est aussi question de développer les TPE et plus largement d'inscrire l'ensemble de notre appareil productif dans les révolutions numériques et écologiques en cours. Répondre à ces enjeux suppose que nos entreprises aient confiance en l'avenir, mais aussi qu'elles puissent mobiliser les financements nécessaires pour mener à bien leurs projets. Sur cette question du financement, l'avis vient confirmer les constats de plusieurs rapports récents. Nos TPE ont une insuffisante capacité à croître en raison de la faiblesse de leur investissement et lorsqu'elles investissent, elles privilégient le plus souvent l'autofinancement. Le groupe de l'artisanat se réjouit que l'avis permette d'identifier une pluralité de leviers à actionner afin d'encourager et faciliter le financement de l'investissement des TPE-PME. À ce titre, certains objectifs nous semblent devoir être recherchés en priorité. Il convient tout d'abord de mobiliser l'action publique au plus près des territoires. Il s'agit de généraliser les fonds régionaux proposant des outils de financement calibrés aux besoins des TPE et misant sur les conséquences positives des investissements projetés pour le territoire sur lequel elles sont installées. Il s'agit également d'orienter plus fortement l'action de BPI France en faveur de l'investissement immatériel des TPE. Il convient par ailleurs d'améliorer l'accompagnement des dirigeants de TPE pour éviter qu'ils ne s'autocensurent dans leurs demandes de crédit. Cela implique d'une part de construire des relations plus qualitatives entre les banques et ces entreprises, de sorte que celles-ci puissent s'adresser à des interlocuteurs qui les suivent sur la durée et qui leur proposent des solutions de financement prenant pleinement en compte leur situation et leurs projets. Il faut notamment pour cela des conseillers bancaires formés aux spécificités des TPE. Cela implique d'autre part de renforcer la culture financière et de gestion des dirigeants de ces entreprises. Il faut donc les encourager à s'informer et à se former afin d'optimiser le pilotage de leur entreprise et favoriser son développement. Plus largement, il convient de lever les obstacles qui freinent l'investissement et notamment alléger la fiscalité pesant sur les bénéfices réinvestis, quelle que soit la forme juridique de la TPE. Ou encore donner la priorité au dispositif de caution mutuelle et réduire ainsi les exigences de garantie personnelle. Si la mise en œuvre de certains leviers appelle encore à des réflexions ou des ajustements avec tous les acteurs concernés, le fil rouge qui les anime, à savoir la croissance des TPE-PME et donc la compétitivité de notre économie, nous semble de nature à faire converger les points de vue. Le groupe de l'artisanat votera l'avis. Merci. Monsieur Jean-Carl Deschamps, du groupe des associations. Mesdames, Messieurs, à cette heure avancée de la journée, j'ai le sentiment que ce que cette Assemblée attend du 17e et dernier orateur, c'est moins le côté novateur de ses propos que leur brièveté. Nous allons donc faire court. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le rapporteur, cher Frédéric, nous voterons pour cet avis. Je savais bien que ça vous plairait. Mais faire court ne veut pas dire ne rien dire. Je ferai donc trois observations. La première, c'est que cet avis traite d'un sujet économiquement essentiel, politiquement sensible et techniquement pointu. Dans ce contexte, nous voulons féliciter le rapporteur,
d'avoir su écouter toujours, entendre souvent, modifier son texte fréquemment, mais en tout cas, d'avoir su faire évoluer le texte dans le cadre d'un travail collectif, auquel l'ensemble des membres de la section, avec leurs passions, leurs idées, leurs envies, mais leurs convictions partagées, ont fortement contribué, et ce, jusqu'à la dernière minute. Ma deuxième observation portera sur l'avis, le contenu de l'avis. Il contient deux dissensus, ça n'aurait échappé à personne. Il m'offre l'occasion de redire combien nous pensions essentiel de marquer le plus fréquemment possible nos consensus, bien sûr. Mais combien aussi nous trouvons important que collectivement nous soyons capables d'indiquer nos dissensus comme autant de points sur lesquels nous attirons plus particulièrement la vigilance du législateur ou du décideur. Pour nous, le dissensus n'est pas un échec, pour peu bien sûr qu'il ne soit ni trop fréquent, ni le refuge de notre incapacité à produire du consensus. Enfin, et ce sera ma troisième et dernière observation, je veux dire ici notre plaisir d'avoir vu la section, dès le début des travaux, définir spontanément la notion d'entreprise avec beaucoup de pluralisme. Pluralisme de taille, de secteur d'activité, de champ d'origine, mais aussi de forme juridique. Grâce à cette approche, les spécificités des entreprises de l'économie sociale et solidaire ont été prises en compte. On retrouve ainsi dans quasiment toutes les préconisations un angle qui concerne plus particulièrement l'ESS. C'est le cas de la préco 15, par exemple, qui propose la création d'un fonds d'amorçage pour permettre aux associations de pouvoir accéder plus facilement au crédit, dans l'objectif de développer leur projet associatif, bien sûr, mais aussi de développer leur activité et les emplois qu'elles génèrent, et qui représentent, redisons-le ici, plus de 76% des emplois des entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. C'est donc bien la fonction d'acteur du développement économique et territorial des assos qui est ici saluée et nous voulions nous en féliciter. Monsieur le Président, je n'ai pas tenu, contrairement au rapport, mon engagement, mais j'ai quand même été assez bref puisque je n'ai dépassé que de 6 secondes. Nous voterons donc ce texte. Merci de votre attention. Merci. Merci, merci. Donc, à votre connaissance, pour porter à votre connaissance, il y a eu un amendement. Cet amendement a été examiné par la section ce matin. Il a été en partie adopté. Je crois qu'il a été quelque peu modifié. On vous projette le texte tel qu'il a été accepté. Je pense que tous les groupes en ont eu connaissance. Donc, je vous laisse quelques secondes prendre connaissance donc, de l'écriture définitive, si jamais vous n'en avez pas eu connaissance par l'intermédiaire de votre groupe. Oui, on vous l'a réparti sur deux écrans, oui, tout à fait. Oui. Ça permet à chacun d'aller à sa vitesse de lecture. J'en profiterai pour remercier bien sûr Serge Baucher qui s'est adjoint aux forces des administrateurs de la DSC pendant quelques mois, qui a permis bien sûr l'écriture de cet avis, et remercier aussi Emmanuel Vautrin qui a évidemment dû suppléer à la fin et permettre aussi l'écriture définitive de cet avis. Donc merci à vous deux. Voilà, je crois que bon, si vous avez lu le texte tel qu'il figurera maintenant dans l'avis, nous allons procéder, si vous voulez bien, au vote et je déclare le scrutin ouvert. Est-ce que tout le monde a voté ? Oui. Donc, je déclare le scrutin clos. Et donc, on va afficher les résultats.
pour 127, contre 20, abstention 24. L'avis est adopté. Donc. Félicitations. Je vais passer la parole à Madame la Présidente de la section économie et finances, si elle veut bien nous dire quelques mots. Alors, c'est bon, ça marche, oui. Merci, Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, féliciter Frédéric pour sa capacité d'écoute et le travail accompli, parce que il y a quand même eu beaucoup d'amendements déposés en section et nous lui avons donné, je crois collectivement, beaucoup de travail sur l'examen des amendements, qu'il les a tous étudiés. Il a, quand il prenait ou quand il ne prenait pas, toujours donné une explication. Moi, plus je préside cette section et plus je me félicite de l'ambiance qui y règne, de la capacité qu'ont les conseillers à travailler ensemble, à se dire qu'ils ne sont pas d'accord tout en se respectant. Je voudrais aussi remercier Serge, qui nous a apporté toute sa technicité, un peu son carnet d'adresses aussi, ce qui nous a bien aidé pour les auditions. Remercier Emmanuel, qui est venu nous aider. Remercier Maryse aussi, donc, pour l'aide qu'elle a apportée à Frédéric. Et enfin, rappeler que, même si parfois des choses ou des préconisations peuvent nous paraître irréalisables ou difficilement envisageables, et bien que si nous nous contentions de ne préconiser que des choses qui nous paraissent immédiatement réalisables, et bien parfois, ça serait un peu triste. Merci. Merci Madame la Présidente. Je vous rappelle que le mardi 28 mars, nous aurons l'avis sur la bioéconomie durable. C'est un projet d'avis qui sera présenté par Jean-David Abel et Marc Blanc, qui en sont donc les rapporteurs au nom de la section de l'environnement présidée par Anne-Marie Ducroux. Et le 29 mars, on aura l'avis « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer ». C'est un avis qui sera présenté par M. Dominique Rivière, rapporteur, et Mme Ernestine René, co-rapporteur au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, et à la délégation à l'Outre-mer, présidée respectivement par Mme Pascale Vion et Jean-Étienne Antoinen. Voilà, je vous remercie et je déclare la séance close.